tous, bienvenue, on est en direct sur MyVox TV. Bien sûr, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. On est vendredi, c'est le Zedric Show, bien sûr. Et ce soir, je peux vous dire, on est 100% en libre antenne. Oui, ce soir, vous pouvez prendre la parole à tout moment, parce que ce soir, c'est pas les chroniqueurs qui nous manquent. Je peux vous le dire ce soir. Donc, on a besoin de vous, on a besoin de vos réactions, on a besoin de témoignages, on a besoin de. Voilà, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à contact@thevoxtv.fr. On vous enverra un lien. Il y a déjà Christophe. Si Christophe, tu veux réagir, n'hésite pas à réagir avec nous, à prendre la parole en visio. Ce soir, même pas d'invité en plateau. Ce soir, c'est vraiment. C'est vraiment à la Wall again ce soir et on faut assurer jusqu'à minuit. Cédric Show, 21h, 23h, 23h minuit, l'after show. Et je peux vous dire, l'after show aussi, ça va être équipe très, très, très réduite. Je peux vous dire. Donc voilà, mais en tout cas, on embrasse tout le monde. On embrasse Sonel qui est en Bretagne. On embrasse Kelly qui est dans des bars et dans les classes. J'ai suivi son Instagram. Et bien sûr, les deux fidèles au poste sont là. Maria est là. Hey, ça va, Maria? Ça va et toi? Ça va très bien. Belle robe en fleurs. C'est pas une robe. Ah bon? Mais non, j'ai un jean en dessous. Ah ouais. Tu peux me dire que c'est une robe. Non, c'est pas une robe. Ah bon, en fleurs, quoi. Voilà, oui, c'est en fleurs, c'est fleuri. Voilà, là, on sent l'été. Oui. On sent l'été. Bah, attendez, sent les gars, il fait 25 degrés dehors. Ouais. C'est vrai. C'est le seul con qui a une veste en jean, c'est moi. Il y en a un qui a un pull, on ne dira pas. Donc voilà, il y en a un qui a un pull. Ça va? Alors, on le voit bien. C'est bon. Vous savez que t'as un pull noir à l'antenne, mais en fait t'as un pull vert, mais voilà, il y a un pull dégueulasse. Non, mais il est beau. Ouais, il est beau ce pull. Ah ouais, il est beau. Bah, ouais. Le mec qui est pas sur M6, vous voulez dire. C'est sûr que. Il a changé. Le maillot de robe. Le mec. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il faut dire quand même, le mec. En plus, il s'en fout, il boit du coca à l'antenne. On voit, faut pas voilà, citer la marque, putain. On peut pas citer. Regarde, il est là, regardez. On le voit son coca. On le voit. Il le cache même pas, le con. Voilà. Je pense que c'est derrière le micro qu'on va pas le voir. C'est pas un, bon. C'est pas un partenaire. Le mec, il a caché derrière le micro le coca, quoi. Pas très bien. C'est pas du, c'est du coca, peut-être du cola, on sait pas. Non. C'est du Pepsi. Magic cola. Non mais oui, donc t'es passé dans 66 minutes. Ouais, sur M6, ouais. Sur M6. Mm-hmm. C'est la seule fois, je vous jure que c'est vrai. Le dimanche d'habitude. Ah, t'étais voilà. Bon. Je suis pas devant, bah, en fait on met ça en fond. C'est vrai, 66 minutes. Tout le monde dit ça. Je vais rester devant sur 66 minutes, mais j'en suis sûr qu'il y en a tellement le dimanche, on sait pas quoi mettre. Les vieux c'est 7 à 8, les jeunes c'est 66 minutes. Je suis sûr, c'est vrai. C'est un peu le même truc, mais c'est plus punchy 66 minutes pour les jeunes que, si ça, que 7 à 8 sur TF1 ou franchement on a envie de se tirer une balle. Clairement. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu as jamais dit 7 à 8? Mais si, mais en mettant entre Harry Rosenmack et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. L'animateur de 66 minutes, je ne sais plus. C'est toujours le. C'est, en fait, ça se trouve, c'est le mec qui a fait l'émission, il dit j'ai pas le. C'est toujours je regarde le, pas la télé. C'est toujours le même. Moi non plus, je regarde pas la télé, les gars. Ouais. Ah, c'est, et je suis désolée de décevoir Kelly, mais en fait, j'ai pas regardé l'extrait, j'ai pas eu le temps. Ouais. Alors, moi, j'ai, d'habitude, je mets ça en fond, mais je pense qu'en mettant ça en fond chez moi, ouais. Je sais pas si j'aurais vu, j'aurais dit hé. Toi, je connais ces deux personnes. C'est chelou. Ils disent quelque chose. Mais tu sais que ça arrivait à pas mal de gens. Parce que moi, on a tourné le jeudi. Et moi, je partais en week-end après. J'avais plus de téléphone, plus de batterie. Et quand je suis revenu à Paris, je me suis branché le soir. J'ai reçu plein de messages de gens. Donc, je pensais pas que ce serait publié. Tout le monde regarde 66 minutes. Ça fait et ouais, le nombre de gens qui sont devant 66 minutes, ça m'a étonné. Genre, des gens de ma famille, tout ça. J'avais même pas eu le temps de les prévenir. Rien, tu vois. Mon père était devant 66 minutes. Il a un peu flashé, quoi. Et du coup, bah, c'est cool, bonne nouvelle, et puis bah, c'est pour faire avancer. Ça fait quoi de rester devant 66 minutes devant une caméra? Bah nous, on l'a tourné en 35 minutes. on a fait une prise avec Kelly au cabinet. Donc, une seule prise? Ouais, une seule prise, c'était assez rapide, ouais. Et ça a été aussi tourné partout Bah ça a été tourné chez moi, les gars. C'est ça. Mais je sais pas, c'est quel moment chez toi? Où elle est assise dans le salon? Ouais. D'accord. Ouais, c'est ça. Ah oui. Du coup, bah oui, je pense que je le suppose, je l'ai pas vu. Donc voilà, donc ils viennent chez vous. Donc c'était mon salon, les gars. Et c'était son bureau. Et c'était son bureau. Cabinet, ouais. Donc voilà, 66 minutes, tout va bien. Ouais, bah je crois que c'est vu par pas mal de gens. Après, l'histoire aussi, on l'a parlé ici, il faut médiatiser l'histoire. Ouais. D'ailleurs, où ça en est l'histoire d'ailleurs? Bah avec Kelly, on est toujours occupé à regrouper les témoignages et à faire un petit groupe de deux victimes pour qu'on puisse traiter tout le monde d'un coup et que ça ait plus de poids, quoi. Donc effectivement, il y a eu plus d'une centaine pour ceux qui de... ne savent pas, c'est quoi l'histoire, en gros, L'histoire, c'est, en gros, pour ceux qui ont vu la
l'arnaqueur de Tinder, c'est un peu le même principe, mais avec un niveau plus bas forcément, au niveau des montants. Mais en gros, c'est une personne qui a arnaqué plus d'une centaine de personnes. Et c'est toujours un peu le même procédé. C'est qu'elle a un train de vie assez généreux, où elle loue des grandes villas, du champagne qui coule à flot, etc. Et en réalité, ça, c'est possible grâce aux arnaques précédentes, donc avec l'argent qui a été soutiré à d'autres victimes. Et donc les personnes qui sont en contact avec cette dame lui font confiance et ne se méfient absolument pas. Et à un moment donné, bah, c'est le coup, par exemple, de certaines victimes. Elle va aller prendre en photo la carte d'identité, la carte bancaire, créer des comptes PayPal et puis faire des virements, etc. Nous, on en a parlé. Bon, après, on essaie aussi, parce que voilà, on essaie de vous donner la parole et Kelly aussi dans l'équipe. Joanne aussi, donc voilà, nous on essaie aussi de soutenir aussi ces personnes-là. Bien sûr, ouais. On va faire un fil rouge aussi avec eux, et s'ils veulent venir témoigner, parce qu'on a eu le témoignage de Kelly, mais on peut avoir le témoignage de tout le monde aussi. Mais est-ce que ça a fait un effet bombe aussi sur le sujet avec 66 minutes ? Oui, quand même, parce que pour le coup, c'est quand même un média qui est regardé par, je crois, plusieurs millions de personnes. Enfin, l'audimat est assez fort sur ce type de d'émission. Et effectivement, 66 minutes, c'est 2,5 millions chaque dimanche ou un truc comme ça. Et en replay, c'est bien, ça marche bien. Ouais, bah voilà. Et du coup, bah, ça permet à Kelly notamment et aux autres victimes de se réunir, de se regrouper. Parce qu'il y avait des gens qui étaient, qui faisaient partie des victimes, mais qui ne se reconnaissaient pas et qui ne pensaient pas être la énième victime d'un processus qui était mis en place. Et donc du coup ça a permis à ces gens-là de se connecter, de se regrouper, de se contacter, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est d'avoir un maximum de personnes pour pouvoir agir ensuite, puisque la dame, l'arnaqueuse en question, quand tu regardes la vidéo, si tu regardes le replay, tu verras que malheureusement pour elle, elle fait quand même des aveux sur du vol, sur des pratiques, enfin elle justifie un train de vie par des vols de bijoux, etc. Donc malheureusement elle a déjà fait des aveux aux antennes, enfin. Donc c'est quand même assez mal parti pour elle, quoi. Ok, bah très bien. En tout cas, voilà, 66 minutes, si vous voulez revoir Joanne là-bas. Moi, ça m'a fait rire de te voir. Et tout, bonjour. Et, après, et surtout, quand Kelly a sorti du bureau, vas-y, je te laisse passer, tu es le mec galant. Et après, je vous ai retrouvé dans le bureau, on dit ouais. Ouais. Bon, après, on a été... On a parlé, bon, c'était un peu bizarre. On a hésité à justement se vouvoyer ou se tutoyer. Et comme le journaliste qui était présent, qui est à l'antenne aussi, sur 66 minutes, nous a dit, bon, vous vous connaissez, donc vous vous tutoyez. Donc du coup, c'était assez naturel. Enfin, et Kelly, toi, chez toi, ça s'est passé comment, du coup, le tournage? Ils ont retourné plusieurs fois ou pas du tout? Ah, j'en sais rien, je lui ai ouvert la porte et je suis reparti. Moi, je ah d'accord, ok. Vas-y, rentre avec les caméras. Ouais, ouais, en gros, c'est ce qui s'est... Mais je te jure, c'est ce qui s'est passé. En plus, j'étais à la bourre pour le boulot. Et je lui ai dit. Elle a vu M6, alors ouais. Non, même pas, mais j'étais bon au courant. Il y avait Plaza derrière, alors on achète ouais. Quoi On redécore tout, les gars. On pète les murs. Non, sérieusement, c'est moi, je suis pas restée sur place parce que déjà, je pense que j'avais pas à être là. Et ensuite de ça, moi, j'ai juste prêté les lieux. Hein. Okay, bon, même si ça m'a pas payé. Ah, ça m'aurait dédommagé un peu, mais bon. Très bien. Nous, chez MyBox, on paye des pizzas et ça, qui est bien. Voilà. M6, et du 7-Up, chérie. Voilà. Et de l'Orangina. Voilà, c'est voilà. Ça. Ah, chez M6, on n'a rien eu. Hein. Voilà. Ouais. En tout cas, on voulait revenir sur cette histoire. 66 minutes, en tout cas, si vous voulez revoir, c'était dimanche dernier, non c'est... Dimanche précédent. Ah, précédent, ouais. Voilà. Donc, voilà. Il y a encore le replay. Il s'est passé des choses dans l'actualité et on va commencer. Après, on parlera des médias. On parlera des médias aussi. Parce qu'il y a des médias qui parlent pas vraiment de tout. Dites-nous vous aussi si ça vous énerve, parce qu'on médiatise beaucoup la guerre en Ukraine, on en parlera tout à l'heure aussi. Il y a plein de petites infos là qui ont été faites, et que, bien sûr, ça n'a pas été médiatisé, même sur nos chaînes d'infos. Donc on vous dira les infos qui sont passées. Puis bien sûr, tout à l'heure aussi, il y aura l'actu en vrac, et il y aura Elsa qui sera avec nous en témoignage aussi, qui a un long Covid. Elle sera avec nous, vous verrez, son Covid a déclenché d'autres maladies. Elle a un combat très 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 dur. Elsa sera avec nous en visio tout à l'heure. Et puis aussi tout à l'heure, et ça franchement je veux que vous soyez là aussi, c'est qu'on parlera des piqûres en boîte de nuit. Mmh. Bien sûr, le phénomène des piqûres en boîte de nuit, on ne sait même pas ce que ça fait, on nous pique et on ne sait pas plus. Mmh. Bien sûr, et ça sera le halomètre de Joanne. Mais bien sûr, si vous avez été piqué, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à contact@voxtv.fr. Et n'hésitez pas, si vous voulez réagir avec nous sur tout ce qu'on dit, bien sûr, ou même pas d'ailleurs, si vous avez un petit mot à nous dire, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez venir aussi vous amuser en studio, n'hésitez pas, si vous n'habitez pas loin, vous m'envoyez un petit message, pourquoi pas.
S'il y a quelqu'un qui habite à deux rues. C'est quelqu'un qui veut faire l'after show. Voilà, si quelqu'un veut faire l'after show ce soir avec l'after nous. L'after love, on a changé de nom. Oui, l'after love. Si quelqu'un veut faire l'after love avec nous, n'hésitez pas à venir. Et si vous avez des démonstrations de God Michel. Donc n'hésitez pas. Mais si vous voulez vraiment faire de la libre antenne avec nous, sachez que voilà, on est en visio aussi avec vous. Donc vous envoyez un petit mail, même nous faire un petit bonjour. Hein. contact@voxtv.fr. À la radio, vous le faisiez. Je vois pas pourquoi vous ne pas ici. Voilà, donc venez avec nous en live. Donc la gauche, le rassemblement de la gauche. Ah, ça, le rassemblement de la gauche, c'est vrai que c'est bonne ou mauvaise idée. Dites-nous vous aussi si vous trouvez que c'est une bonne idée. Alors, le rassemblement de la gauche, il y a les écologistes, l'écologiste qui rejoint Mélenchon. Mélenchon, voilà. Le Parti Socialiste, mais là, le Parti Socialiste, alors là... ils disent oui, on se rassemble, mais puis tout le monde se divise là-bas. Maintenant, les socialistes, les mecs, ils se barrent. Il y a Cazeneuve qui se barre, il y a Hollande qui dit que c'est honteux. Donc il y a un scandale temps, aussi un peu la fin. Et tout. Mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, le rassemblement de la gauche? Bien sûr, je vous le demande aussi à vous, chers téléspectateurs, est-ce que vous êtes content de ce rassemblement de la gauche? Si vous êtes électeur de gauche, si vous n'êtes pas électeur de gauche, vous en foutez complètement. C'est vrai aussi. Demandez ça à quelqu'un qui a voté Zemmour. C'est vrai, un mec qui a voté Zemmour. En rassemblement de la gauche, t'en penses quoi? C'est tout. Moi, je trouve quand même que. Ça arrive peut-être un peu tard. Quoi. C'est tard parce qu'il y avait une élection présidentielle et on le disait ici. On le disait. On avait fait un débat. Mais on le disait déjà en 2017. Hein. On avait fait un débat sur Radio Armada. On avait toutes les gauches autour de la table. On a dit rassemblez-vous. Ouais. Et on voyait que les mecs. Non, jamais. On a cette idée-là et tout. Et voilà, enfin, quelqu'un qui arrive à rassembler la gauche. Mais est-ce que c'est compliqué ou pas? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Hello les gauchistes, nous met Nico. Si Nico, tu veux intervenir, Nico, même dans ton camion, n'hésite pas, hein, bien sûr. T'envoies un petit mail à contact@voxtv.fr ou soit tu m'envoies un petit message sur Facebook et la régie va m'envoyer un lien et je te donne un lien. Parce que Nico, c'est un routier, le mec, il conduit dans partout. Et si Nico, tu veux nous parler même 5 minutes dans ton camion, avec plaisir. Qu'est-ce que tu en penses du rassemblement de la gauche? Ben moi, je pense que c'est hyper hypocrite. Ah d'accord. Ah ouais, moi direct. Franchement, alors, pour être très sincère, je regarde pas la télé, donc j'écoute pas la radio, je regarde pas la télé, donc je me suis renseignée sur le sujet cet après-midi à 17h, à 16h45. Ouais. Très honnête. C'est tout frais. Et ouais, c'est exactement tout frais. Et en fait, je trouve que c'est vraiment hyper hypocrite. Et en fait, ça arrive déjà, ça arrive au mauvais moment. Et deux, je trouve que c'est juste, en fait, ils se rassemblent pas pour la bonne chose. Ils se rassemblent pour contrer Macron. Donc ils n'ont pas les bonnes, vibe en fait sur le sujet. Ouais. Donc si tu te rassembles pour... Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais tu sais, t'es au courant. Je vais te dire en régie, envoyez-moi un lien pour Nico qui vient dans son routier. Parce que je te rappelle qu'en fait la caméra est bloquée sur toi. Donc tout le monde... Mais oui. Mais c'est Maria qui parle. Ok, moi je te parle. C'est le bordel en régie. Arrêtez de bouffer de la pizza. C'était Maria qui parlait. Moi, je pensais que j'étais pas à l'antenne. Alors... Moi, j'étais là tranquille. Donne-moi jouer à deuxième. Moi, je t'écoute. On aura Nico le routier tout dans quelques secondes qui va nous parler du rassemblement de la gauche. Je parle à Nico et je t'écoutais. Non, sérieusement. Et en plus, je t'écoute. Il fait ça, que je suis tourné vers lui et que je vois qu'il calcule rien et qu'il parle avec eux, je me tourne vers Lionel, tu vois. Donc c'est pareil. Ouais. C'est que j'écoutais Maria et Maria. Non, mais franchement, tu trouves ça vraiment hypocrite. Mais vraiment. Ouais, vraiment hypocrite. Et en fait, ça, comme je dis, ça arrive au mauvais moment. Et en fait, la finalité, en fait, l'intention finale, elle est pas bonne. Ils sont là pour faire ça contre Macron. Ils sont pas là pour rassembler leurs idées et monter en puissance. Et en fait, ça ne fonctionnera pas. Après, c'est mon avis, attention. Tu penses que Macron aura la majorité? Bien sûr. Moi aussi, je pense aussi, parce que Macron, il a été intelligent. Je vais d'abord dire pourquoi mon avis, et je pense que Maria, on a le même avis aussi. Joanne, le rassemblement de la gauche. Alors, moi, le rassemblement de la gauche, comme tu disais tout à l'heure, on en a parlé, on y a pensé pour les présidentielles, pour le premier tour, mais c'était déjà une réflexion que moi, je m'étais faite en 2017, quand je voyais que toutes les voix étaient émiettées un petit peu à droite à gauche, et que péniblement, on arrivait en troisième au niveau des intentions de vote. Et là, en 2022, rebelote, Mélenchon arrive troisième et ne passe pas le premier tour. Alors qu'il y a des 2%, il y a des 1,5% à droite à gauche à prendre. Donc la première idée, c'est de se dire qu'il fallait se regrouper avant pour peser au présidentiel. Et effectivement, là, on peut dire que ça arrive un peu tard. Maintenant, le deuxième point de vue qu'on peut avoir, c'est de se dire
Être président, c'est pas forcément ça qui fait changer les choses. Si tu veux changer le système de l'intérieur, c'est les législatives, c'est les lois, les nouvelles lois qui vont être votées, etc. Et à ce moment-là, le rassemblement de la gauche, il arrive à point nommé, il arrive au bon moment. Parce que, Mais tu penses qu'ils effectivement, vont pas c'est. réussir? Moi, je pense que ça peut. Si. Moi, je Tu penses pense qu'il peut que ça réussir? va fonctionner, oui. Tu penses que Macron n'aura pas la majorité? Non, je pense pas. Je pense que ça peut fonctionner. Je pense que c'est bien parti. Je pense qu'il y a une bonne dynamique. Cette dynamique qu'on attendait, nous, avant le premier tour des présidentielles, ils vont l'avoir là maintenant. Et c'est vrai que, concrètement, en politique, l'élection du président, ça peut peser un peu moins que les législatives, qui sont, pour moi, le troisième tour et les vraies élections, quoi. En tout cas, ben voilà pour l'avis de. Alors moi, j'ai l'avis de Maria. Alors je veux que Johan a raison pour le rassemblement de la gauche et que enfin il y a une vraie majorité de gauche et que voilà et que la gauche arrive au pouvoir et que en plus on le dit depuis des années dans nos émissions que c'était le seul moment où la gauche pouvait arriver, c'était comme Ouais, ça, c'était ouais. l'union et pas de division. Mais moi je trouve quand même que Macron il fait un boulot vicieux en vrai. Parce que Macron, il drague qui? L'UMP. Bien sûr. Quand vous voyez à l'investiture de Macron tout le monde qu'il y avait là, il y a du Sarkozy, il y a du François Hollande, il y a du Jacques. Alors Jacques Lang, alors je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il fout là ce mec? Le mec, il a des procès au cul comme je sais pas quoi, on se dit qu'il est pédophile et tout. Le mec, il a l'investiture. Alors, peut-être pas vous approuver ou pas, mais il y a quand même. Il y a encore jusqu'à preuve du contraire, il est innocent. Oui, voilà, c'est vrai qu'il est innocent. Mais bon, Pas en tant tardé. qu'innocent, est-ce que tu invites un mec innocent quand même comme ça? Je sais pas. Bon, après, Après, voilà. il y en a d'autres. Il est Oui, où après, il y en a d'autres. Dominique Strauss-Kahn à ce moment-là, tu vois. C'est vrai qu'en fait, il Mais n'était non, pas là. Strauss-Kahn, c'est un cochon. D'ailleurs, on pourrait pas l'inviter un soir pour l'after show, là, comme ça, avoir Strauss-Kahn, l'after show. si tu veux venir avec grand plaisir, Hey, en plus, je te Dodo. kiffais à Sarcelles. Donc, c'est pour te dire, je te kiffais vraiment. Non, c'est vrai, pour moi, c'était un des plus beaux maires de Sarcelles qu'on ait eu, franchement, surtout. Un peu Et cochon, voilà. mais. Voilà. Cochon, mais fait bien son travail. Oui, voilà, c'est Voilà. ça qui est Et important. voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est un gros Ah con. ben, Il aime la baise, il aime la Mais en plus, il s'en est jamais caché! baise. Voilà, Troscan, t'es comme moi, t'aimes la baise. Voilà. Bon, non. Par contre, quand la meuf dit non, non. Voilà. C'est non, c'est non. C'est non, c'est non. Voilà. Très bien. Mais bon, voilà. Après, si tu vas dans des clubs ou quoi que ce soit, fais-toi plaisir. Fais-toi Après, c'est vrai plaisir. qu'à gauche, bon, ça aurait Ouais. pu être Non, mais le voilà. monde Donc, providentiel. on revient sur la vestiture, quand même. Que Macron est quand même intelligent parce que d'inviter Jacques Lang, qui est Parti Socialiste. Sarkozy qui est C'est un UMP, coup de communication, les gars. Il nous a fait un coup de com', hein. Bayrou, bon, qui est toujours en mode. En fait, Bayrou, c'est même pas. Le Mais mec, il est en Bayrou, on sait orange. pas où il est, Le mec, lui. il est en Non, pour orange, les deux. bien sûr. Le mec, il aura un forfait orange, quoi. Non, mais sérieusement. Non, Et donc, mais oui. Non, mais faut dire non. quand même qu'il y a un C'est rassemblement stratégique très et. large de chez Macron en rassemblant la droite. Vraiment, c'est vraiment un rassemblement de fou. Alors que Mélenchon. J'espère y croire aussi que. Mais moi, je trouve que quand tu regardes le parti de Macron et tous ceux qui vont partir, 15-9, je suis sûr qu'il va aller en marche, Oui. au MoDem. Les mecs, ils disent, oh tiens, ouais, c'est un peu de gauche, un peu de droite, je vais aller Mais là-bas. Mais. à gauche, ils n'avaient pas le choix parce qu'on ne fait pas le poids face au Rassemblement National. C'est vrai. Donc ça fait déjà 2 fois qu'on a le problème. Donc là, il fallait effectivement prendre une décision. Donc là, c'est le seul moyen de reposer dans la balance, quoi. Moi, je Est-ce suis qu'on pas a sûr. Nico, les mecs? Est-ce qu'on a Je suis Nico pas en certain. visio? Est-ce qu'on a Certain. Nico en visio, les mecs? Est-ce que Nico s'est connecté? Nico, est-ce qu'il est là? Est-ce Non. qu'on va avoir Nico dans quelques secondes? Il est là, Nico. Il est là, notre routier. Ça fait très longtemps. C'est le jour que c'est. Oh là là, Nico, notre routier, comment ça va, Nico? Ça va et toi? Ça va très très bien, Nico. Ça Hey, je va. suis très content parce que franchement, un des fidèles de fidèles, je l'avais déjà à Dynamique Radio, c'est pour vous dire. Donc là, franchement, là, c'est une génération, c'est un téléspectateur fidèle maintenant. Comment ça va, Nico? Tu vas bien? Ça va, ça va, ça va. Ça va bien, mon ami. Je suis Eh ben très bien. Alors, t'es dans ton camion. Nico, t'es où exactement? aux Dis-nous, t'es États-Unis, où? là, je remonte au Canada. Et puis, Aux le mec États-Unis, il est au là. Canada, tu vois, le mec il nous regarde, il est au Canada, Il c'est est pour vous quelle heure dire. là? Il y a un décalage horaire, non? Enfin, il est quelle heure chez toi? Ouais, il est 15h30. Mais je suis 15h30, aux et ben voilà, États-Unis et en ben. fait, là, je remonte au Canada, là. Et c'est pour vous dire, Je suis avec Riddle, je suis avec. contact@boxtv.fr, ça marche, hein, vous êtes du Canada, des États-Unis, le mec. En plus, le mec il roule. Ah Ah, c'est son pote qui roule. C'est ton pote qui roule. Non, je roule pas. Je roule pas, je roule Ah, pas en fait, d'accord. parce que mon camion est tombé en panne. Ah merde! Bon, pas Ouais. très bien. Bah en même Donc, temps, c'est bien comme ça tu nous regardes. ouais, comme tu dis, ouais. Nico, est-ce que toi. Alors toi, Nico, déjà, comment tu vois la politique en France
Quand t'es au Canada, est-ce que tu vis au Canada ou pas? Ou c'est juste là en ce moment que tu y es? Ou c'est maintenant, c'est définitif, t'es là-bas? Je suis au Canada depuis le mois d'août, quoi. Et D'accord. Là, je suis en processus de renouvellement de visa. Et normalement, si je peux y rester, j'y reste. Et qu'est-ce qui fait que tu es parti au Canada? Pourquoi tu es parti? Est-ce que tu en avais marre de vivre en France? Qu'est-ce qui t'a fait déclic de partir? Bah, je voulais le faire depuis longtemps, en fait. Et puis, le parrain de ma fille, en fait, il m'avait proposé déjà de bosser pour lui. Moi, au début, tu sais, je voulais pas trop parce que, tu sais, c'est un ami, quoi. Et après, bah, je lui ai dit OK, quoi. Puis voilà. Puis, parce que la France, ouais, c'est... Écoute, j'ai 43 ans et je pense que la France, ça sera plus la France que j'ai connue, quoi. Et pourquoi alors cette France-là, c'est pas la France que t'as connue? Est-ce que la France te dégoûte? Dis-le, hein, franchement, on est entre nous. Est-ce que la France te dégoûte? Dis-le. Non, je vais pas dire ça parce que je vais pas dire que la France me dégoûte. C'est quand même le fait d'être français, en fait, qui facilite pas mal de choses dans le monde aussi. Donc, faut pas dire ça, quoi. Mais c'est vrai que il y a des choses qu'on avait, que j'ai connues et que qui aura plus, quoi. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Ok. Et comment t'as vu cette présidentielle, toi, du Canada? Est-ce que tu l'as suivie? Est-ce que t'as voté quand même ou pas du tout? Oui, j'ai suivi la présidentielle. Et puis, de toute façon, il n'y a pas eu trop de surprises. Après, j'ai vu après sur mes réseaux que pas mal de gens étaient dégoûtés que Marine Le Pen ne passe pas. Donc, tu sais, je vais dire à tous ceux là, qui pensent que le jour où Le Pen elle passe, il y aura vraiment du changement, il n'y aura rien du tout, puisque de toute façon, c'est pas le président qui décide, c'est les députés, quoi. C'est eux qui votent les lois. S'ils sont pour, bah, c'est bon, mais s'ils retoquent les lois, de toute façon, bah, la loi elle passera, quoi, tu vois. Et est-ce que toi tu crois au rassemblement de la gauche? Et tu crois toi au rassemblement de la gauche? Le rassemblement de la gauche. Putain, j'ai l'impression tu vois, que tu me dis un truc, c'est comme s'il allait y avoir un super. Comment t'expliquer ça? Un super. Comme s'il allait y avoir une nouvelle gauche, comme si là on vivait une révolution, quoi. Moi, le rassemblement de la gauche, déjà, tu me l'apprends. Et puis, je pense qu'il n'y aura pas, grand chose, quoi. Il y aura rien du tout. Je pense avant tout que les gens, je sais pas pourquoi on vote, quoi. Qu'est-ce que toi, t'attends de l'élection présidentielle? T'attends quoi, toi? Bah, moi, j'attends que, voilà, il y avait un changement. Moi, je pensais qu'il allait y avoir un changement de président parce que la politique de Macron, bon, moi, m'a pas plu, frère, concrètement. Donc, je vais pas mentir. Et que moi, là, j'espère, comme disait Joanne, y croire à ce rassemblement de la gauche. Mais malheureusement, je n'y crois pas vraiment trop parce que je me dis quand même que Macron arrive quand même à rassembler plus de monde que d'où la gauche. Parce que, regarde, le Parti Socialiste, les communistes et les écologiques sont rassemblés derrière Mélenchon. C'est Nouvelle Union Populaire Socialiste Écologiste. Mais je me dis, bah après, j'espère qu'il y aura un élan. J'espère qu'il y aura quelque chose. Moi, je crois qu'on a eu un élan le week-end, et peut-être que Malcolm a dit, peut-être que c'est hypocrite aussi, parce qu'il y en a qui se cassent, il y en a qui, voilà, ils sont pas d'accord non plus avec ça, et je trouve ça malheureux. Mais tiens, ce que vous en pensez, là, de ce qu'il vient de dire Nico, Maria, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'il vient de dire, lui, qui est au Canada, et qui voit une autre vision? Bah, et de toute façon, c'est une vision qui est très américaine, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou en Angleterre, on n'a déjà pas la même vision de la qu'en France au niveau politique. C'est une vision déjà qui est beaucoup plus capitaliste, où c'est l'effort qui est récompensé et non pas le social. Alors moi, je suis pas du tout socialiste, hein, je pense que ça s'est bien compris. Je suis très capitaliste. Après, voilà. Mais c'est mes idées. Tout le monde a le droit de donner ses idées ici. Hein, tout le monde. Et je trouve qu'ils ont une vision. Alors je connais pas le pays et je connais pas leur politique par cœur, mais je trouve qu'il y a une vision beaucoup plus... beaucoup moins humaine, soit, mais beaucoup plus économique. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, quoi. En France, on est trop sur du social et c'est trop. C'est trop pour moi, c'est trop. Et en fait, ça revient à... Il y en a tellement trop qu'au final, il y a des abus. Et c'est ça qui est dommage dans l'histoire.
Maître Johan. Oui, mais je rejoins exactement ce qui vient d'être dit, dans le sens où on peut arriver à se demander bah, à quoi sert de voter. Dans le sens où, effectivement, même au niveau de la France, plus grand-chose se décide, puisque maintenant, il y a des super-ordres enfin, qui dépassent les frontières, et c'est plus au niveau de l'Europe, voire au niveau du monde. Donc, bon, c'est vrai que tout ça, ça peut ressembler à une belle mascarade. Gauche-droite ou quoi, c'est sûr que je pense même, moi, j'aurais ça en horreur, mais si le Front National passait en France, je ne sais même pas si les électeurs du Front National d'extrême droite auraient ces changements qu'ils attendent tant sur l'immigration, sur les étrangers. Mais non, ils les auront pas. Donc, quelque part, on peut aussi se rassurer en se disant, bah, allez-y, votez Marine Le Pen. De toute on façon, est sur une politique européenne, on n'est pas sur une politique française, c'est fini ça. Ouais. Et ça est fini depuis bien longtemps maintenant. Et je voulais savoir, Nico, comment ça se passe, toi, la vie au Canada, avant de te quitter? Ah. En même temps, Nico est dans un camion qui roule. Ouais. Ah. C'est les forêts canadiennes. Ah. Au Canada, on a perdu la connexion avec Nico. Nico, en même temps, il y a son pote qui roule, il était en panne. En tout cas, on va essayer de revoir la liaison avec Nico, voir s'il peut nous dire. Nico? Ah, voilà, t'es là. Donc comment ça se passe, toi, la vie au Canada? Et politiquement, d'ailleurs, comment ça se passe? Est-ce que... Ouais, je t'entends. Vas-y, je te laisse parler. Ah. Non, on n'a pas de liaison avec... Politiquement, je sais pas. Ah. Politiquement, je sais pas trop parce que... Ah, malheureusement, on n'entend plus Nico. Malheureusement, mais en tout cas, je voulais franchement voilà, le remercier quand même parce qu'il ouais, travaille, cool. Il est au Canada, en plus il a une galère avec son camion, il est en panne. Ouais. Donc franchement merci Nico. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir des téléspectateurs comme ça qui sont au Canada, qui ont une vision aussi sur la politique française. De l'étranger. Ouais. De l'étranger en tout cas, et Nico, tu sais que toujours tu seras le bienvenu. Et si Nico il veut reparler, n'hésitez pas en régie me le dire en tout cas. Donc voilà, en tout cas pour le rassemblement de la gauche, s'il y en a d'autres qui veulent parler, dans quelques minutes on va parler de l'Ukraine. Est-ce que les médias en font trop sur l'Ukraine? Parce qu'il y a d'autres infos que je vous donnerai aussi qu'on n'en parle pas du tout. Donc dites-nous si on en fait trop sur l'Ukraine ou pas. Est-ce que ça vous fait peur aussi par rapport à ça? On va faire un gros sujet sur les médias de l'Ukraine. Et il y a Marc qui nous dit bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi Marc. Et t'inquiète pas qu'on attend ton coup de cœur tout à l'heure. Et j'espère avec que impatience. Marc, que tu vas me faire danser ce soir. Parce voilà. Que c'était ton but. Non, pas danser. C'était me faire aimer sa proposition. Ah. C'est ça. Donc, et voilà, ça, il y avait du boulot. Hein. Dis-toi, ce soir, j'espère que tu as préparé un super coup de cœur. Et Maria, elle est contente. Voilà, tout simplement. Il y a Lou qui regarde des vidéos, je sais pas ce qu'il regarde. Il va nous mettre un YouPorn tout à l'heure, on va rien. Je te regarde toi. Très bien. En tout cas, avant de parler des médias, de l'Ukraine, est-ce qu'on en fait trop et tout ça, on va s'écouter un petit son pour se rafraîchir, pour manger des pizzas, pour être bien. On est en direct sur MyVox. Et si bien sûr vous voulez, vous, intervenir comme Nico qui est intervenu du Canada, vous allez vous pouvez intervenir partout. Envoyez tout de suite un mail à contact@voxtv.fr. contact@voxtv.fr. Ben c'est parti, on arrive, on écoute ça. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you baby, my sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you, all night, come on dance with me, I'm levitating. You, moonlight, you're my starlight. I need you, all night, come on dance with me, I'm levitating. That you're for me, I feel it in our energy. I see us written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or never, baby. Nothing's ever, ever too far. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way we are. I feel like we're forever every time we get together, but whatever, let's get lost on Mars. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah.
This whole rhapsody, better we capture this moment and hope it don't pass him. Lose yourself.
On est en direct ? On est en direct, c'est bon ? Ça y est ? C'est bon ? C'est parti ? J'ai pas le live, je sais pas, dites-moi si on est en direct ou pas. Ah oui, il y a un cadre sur ma tête, ça je le vois, ça y est. On dirait que tu vas te faire abattre. La cible à abattre. Il y a un cadre sur ma tête, ça c'est bon. On est en direct sur MyVox TV, ça fait plaisir. Est-ce qu'on en... Non, on n'est pas en direct sur Facebook, hein ? On n'est pas en direct, les mecs, hein ? On n'est pas en direct. Ah bah moi j'ai pas le... Vous avez le live, non, regardez. Non, je l'ai pas. On ne l'a pas. Tout ça à cause d'une putain de musique de merde. C'est ça, merci. Qui est plus clair. Dites-nous si on est là. Il y a Marseille, Nico, envoyez-moi des messages. En plus Nico il avait des beaux témoignages. On est en direct. On est en direct, ça y est. On est en direct. Ouais. Bon bah je l'ai pas moi. Donc voilà, bah démontre, dites-nous les commentaires. On fait le cross-postage, vous inquiétez pas, on est là, on est bien en direct d'après Maria, donc on va faire confiance à Maria. Désolé, parce que c'est pas Weshden qui nous a bloqué, c'est comment ça s'appelle déjà, j'avais dit, je sais même plus. Musique d'Eminem. Ouais, je sais pas, bon bah voilà, bon, en tout cas. Bref, voilà, nous a bloqué, c'est de la merde. Quelle connasse. Donc voilà, à cause d'une musique, on a été bloqué. En tout cas, bien sûr, on refait le cross-postage. Merci à vous. On est en direct sur MyVox, bien sûr. Donc voilà. Vous avez vu, quand je te dans une émission. Ouais, il y a toujours une merde technique. Il y a toujours une merde. Putain, il y a toujours une merde. Toujours une merde. Ouais, voilà. Tu vas repartir. C'est Warner qui nous a bloqué. Ouais, comme tu le sais. C'est Faisal, le patron. Ah. Voilà. Donc merci à Faisal. Merci à Warner. Warner, allez vous faire foutre. Mais oui, parce que cette meuf-là, elle est hyper vue. Donc du coup, en fait, cette musique-là, mais... faut plus la mettre, quoi. Parce que cette meuf-là, elle est hyper vue. Mais moi, j'ai pas le direct, c'est ça qui me... Puis en plus, c'est de la merde, en fait. Ouais, c'est ça, et j'ai pas le direct, en plus. C'est ça qui me rend ouf. Vous avez le direct, vous ? Non, j'ai pas, moi. Mais si, je l'ai. Fais voir. Bah voilà, je l'ai. Je dis voilà, pourquoi pas cher. Voilà, bah ouais, là, bah ouais. Bah je sais pas pourquoi. Mais là, tu te Ah, tu l'as en direct sur Twitch, toi, sur YouTube. Ouais. Ouais, nous, on est pas sur... En fait, Facebook nous a complètement bloqué. Ah, moi je sais pas, mais c'est... On a déjà eu le cas plusieurs fois. Facebook nous a bloqué. Les gars basculent et tout sur. Donc il faut relancer le Facebook, il faut voir si on peut relancer le Facebook. Parce que. Bah, on est très subi sur Facebook. Donc il y a Nico qui disait pas mal ce qu'elle a dit Maria. Et Nico disait je pense en somme que si tu veux que ta vie change, même que notre vie change d'ailleurs, Nico, tu l'apprends voilà, comment ta vie, bordel de merde. C'est à toi de faire changer, pas aux politiques. Exactement. De la changer. Très bien. Toi, Nico, j'ai dit ton message. Voilà, Nico. C'est chelou que nous, on ne l'a pas. Hein. Ouais. C'est bizarre. Bon, on est en direct, donc je ne vois pas vos commentaires. Moi, j'ai sur YouTube, je ne l'ai pas sur Facebook, je ne suis pas sur Facebook. Ah, ça y est, le live est lancé. Ça y est, on est en direct. C'est reparti. Dis aux spectateurs de venir aussi sur Twitch. C'est vrai qu'on est en direct aussi sur Twitch. On est en direct sur YouTube. On est en direct partout. Donc voilà. Même sur Mars, les gars. Voilà, donc on est partout. Donc voilà. Je vois plus rien, nous dit Nico. Ça y est, on est là. Nico, on est là. On est là. Ouh, Nico. C'est reparti. Nico qui est en direct du Canada. Hein, faut le dire. Nico qui est en direct du Canada. Qui était avec nous. Donc voilà, on fait le cross-postage. On cross-poste et tout. Bienvenue. On est en direct. Donc là, on était sur le débat avant que ça coupe.
Bien sûr, le rassemblement de la gauche, on avait Nico en direct du Canada. Et donc, Nico, ton message aussi que tu m'as dit, parce que Nico, il y a eu des problèmes de liaison, malheureusement, parce que voilà, tu es au Canada, tu es dans un camion, mais merci à toi d'avoir pris le temps avec nous. Il dit que Marie, ton témoignage était super bien. Donc voilà, ça, c'est, merci, voilà Nico, il t'a kiffé. Hein, voilà, c'est normal, moi-même, voilà. Je me kiffe. Voilà, Nico, tu vois, elle se kiffe, tu la kiffes, donc tout va bien. Donc, Nico qui nous est, je pense, en soi, que si tu veux que ta vie change, c'est à toi de faire changer et pas aux politiques, ce qu'il nous a dit Nico. Et Nico, voilà, lui, il est parti au Canada et il va essayer de vivre là-bas et voilà quoi. Ouais. On lui souhaite toute la réussite qu'il mérite. Voilà. Belle aventure pour Nico. Donc voilà. Et bien oui, les clips étaient trop longs. C'est pour ça que ça a coupé. Ah oui, parce que sur les réseaux, il paraît qu'on peut pas mettre trois clips d'affilée. Ah. Bravo la régie. Bravo. Voilà, on applaudit la régie. Puis d'abord, j'aurais dit les mecs, faut reprendre d'un moment. Ouais. D'abord, faut reprendre. On avait assez mangé. Les mecs, ils étaient là, on kiffe. Donc voilà. Bon, en tout cas, voilà, on est de retour, on est en direct. Merci à vous. Et voilà, faut pas mettre plus de trois clips qui suit, il paraît, sur les réseaux. Voilà, donc voilà, ça je ne savais pas. Ok, bon. Bah voilà, on le sait pour la prochaine fois, donc plus de trois clips. C'est mort, sinon on est coupé. Ah oui, parce que peut-être qu'ils pensent qu'on a une chaîne de musique. Mais voilà, bon, pas très bien. On est en direct sur Mindvox, c'est un talk show qui est là. Et bien sûr, on va parler des médias. Ouais. Est-ce que... Bah oui, on voit, on l'entend parler. On n'entend parler que de l'Ukraine. Bien sûr. Donc est-ce que, à votre avis, on en fait trop avec l'Ukraine? Parce qu'il y a d'autres actualités qu'on ne parle pas. Qui passent à la trappe. Qui passent à la trappe. On est au courant, mais on est au courant parce que quoi? On regarde les infos. Parce qu'on va voir les autres médias aussi, ouais. On va voir les autres médias, on va se renseigner sur Internet, mais je suis pas sûr que les Français, bah, tout le monde le sait. Si ça passe pas sur BFM ou CNews ou TF1, rideau fermé, ouais. Je veux dire que c'est... Non mais c'est vrai, parce que moi je vois les mentalités des vieux, on va dire ça comme ça, mais je dis vieux, je parle de mes parents. Mes parents, si le 20 sur TF1 l'ont pas regardé, c'est que... Ouais. Voilà. Pour eux, ben non, tu vois, tu leur dis quelque chose. Ah non, ils n'ont pas parlé au journal. Ils n'ont okay, pas ouais. parlé. Ouais, non, mais c'est la génération. C'est la génération qui va pas non, ils n'ont pas parlé, quoi. Merde. Ouais. Allez vous renseigner, merde. Puis voilà. Ouais. Donc, clairement. Donc, est-ce que, à votre avis, on en fait trop avec déjà l'actualité, l'Ukraine? Ouais, ouais. Non, oui, mais, oui, totalement, on en fait trop. Et de toute façon, à chaque fois qu'il y a un gros sujet, on en fait trop. Parce que quand c'était pas l'Ukraine, c'était le Covid, et c'est vrai que c'est martelé. On voit, on entend parler que de ça. Même nous, avec les smartphones, on reçoit des notifications, et c'est toujours le même sujet en boucle pendant des semaines et des semaines. Ce qui fait que moi, t'en as marre de l'Ukraine ? Oui, j'en ai marre de l'Ukraine parce qu'au final, je suis même plus. En fait, je regarde pas la télé. Je reçois les notifications de différents journaux. Et là, en plus, ils nous font encore plus peur. On en parlera tout à l'heure, mais non, mais on sait pas ce qui se passe en réalité, parce que là, tout à l'heure, j'ai reçu 650 chars russes ont été détruits. Bon, du coup, je sais pas. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas si c'est vrai, je sais pas où on en est et j'en ai marre. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il y a d'autres infos. Eh ben, j'en ai une info. J'en ai une. Bah tiens, Marie, t'en as marre toi aussi? Bah ouais, moi j'en ai marre. Et puis moi, je regarde pas la télé en fait, ce que je disais, je regarde pas la télévision, je regarde pas, j'écoute pas la radio non plus. Parce que, en fait, c'est que ça me gonfle c'est d'avoir boucle, tout. Là, pendant 3 ans, 2 ans, 3 ans, on a eu le Covid en boucle. Ah oui, il y avait que ça, je n'en pouvais plus. Et en fait, à un moment donné, moi, je coupe la télé, quoi. Alors, je regarde YouTube, Netflix, Amazon, Prime, Disney+, comme ça, on a cité les trois. Mais en soi, c'est gonflant. Et là, ouais, l'Ukraine, ouais. Alors après, effectivement, en fait, on ne sait plus distinguer le vrai du faux. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, qui est des fake news, qui est du putaclic. Et du coup, c'est de la c'est pas par contre, l'information, cette info-là, en fait. Moi, je trouve ça qu'on n'en a pas parlé. Aucun média n'en est parlé. Et j'ai cherché pourtant. Et franchement, ça me fait mal au cœur. C'est le gouvernement de Burkina Faso. Ah oui, j'en ai entendu parler. Le Burkina Faso, quand même, le gouvernement, qui appelle la communauté internationale à l'aide pour secourir 8 mineurs bloqués sous terre depuis une crue soudaine à la mi-avril. Putain, on est au grave, mois de mai. Il y a 8 ados qui sont bloqués là-dedans. Et ça, on n'en fait même pas. Mais on est mi-mai. C'est ça. On n'en fait même pas l'actualité. On ne sait même pas si les gouvernements ont bougé. On ne sait même pas si la France va bouger. Ouais. On ne sait même pas si ça bouge ou pas. Tout le monde partage ça sur les réseaux en disant « c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent ».
Moi, je comprends pas. C'est noyé. Pourquoi les chaînes infos, c'est là que j'ai vu, moi. Pourquoi les chaînes infos n'en parlent pas? Parce que, c'est le Burkina Faso. Parce que c'est le Burkina, parce que ça fait pas vendre, et qu'aujourd'hui, si t'es un média, c'est un business comme un autre, c'est un commerce, et tu vas t'aligner sur la tendance actuelle, et en ce moment, c'est l'Ukraine, quoi. On parle plus trop du confinement, ouais, ni du masque, ni du Covid. Bah non. D'ailleurs, Véran, il a fait une sortie, le masque se finit dans les bus, dans les transports. Lundi. C'est pas vendeur, le Burkina Faso. Ah non, tout autant fait, le petit gamin qui malheureusement est décédé, le pauvre. Au Maroc. Ça a fait la une parce qu'on a des relations particulières avec le Maroc, avec le roi du Maroc. Par contre, ce qui se passe après, Burkina, c'est culturel, je pense, parce que je pense que même nous, si on était devant la chaîne info et qu'au 20h, on nous parlait des 8 jeunes coincés au Burkina Faso, on n'est plus habitué en fait et on se demanderait merde. Mais comment ça se fait qu'on a ce type d'infos? Parce que nous, on est habitués à être martelés par le truc et, du moment, quoi. Et attends, il y a une autre actu aussi qui est passée comme ça à la trappe. Et franchement, je ne le savais pas. C'est Faisal qui me l'a donné, le patron de la chaîne, cette info. Ouais. J'étais même pas au courant. Et c'est après, je me suis dit, bon. En Israël, un journaliste a pris une balle dans la tête. Et on sait pourquoi? Et ben malheureusement... Même ça, tu vois, il faut, on n'arrive pas à le faut fouiner, faut chercher. Bah si, je pense que faut que je recherche l'article parce que je l'ai pas là dans la tête. Mais même ça, qui en a parlé? Non, bah, personne. T'es au courant? Non, pas du tout. Enfin, on a parlé de l'émission, c'est ça, qu'on en fait, a préparé, qu'on a mais sinon non. Et les 8 jeunes du Burkina, pareil. Hein, j'ai appris ça tardivement. Enfin, moi, ça, je l'ai appris sur les réseaux. Quelqu'un qui a mis un poste. De mi-avril, c'est incroyable. Si on a attendu 15 jours, 20 jours pour intervenir, je pense que je ne sais pas si les enfants sont dans quel état ils sont, s'ils sont encore en vie. Je ne sais pas s'ils sont encore vivants, tout simplement. Ouais. Non, mais c'est vrai que là, c'est compliqué. C'est que, voilà, moi, je trouve qu'on a des chaînes d'infos qui sont en continu, qui peuvent remettre l'info, même le journal de 20h, ils peuvent dire, voilà, en bref, c'est quand même des actualités très chargées, quand même. Ouais, après, je pense que c'est aussi aux gens de se responsabiliser, de multiplier les sources et les médias. Tu vois, tu parlais. Après, le problème aussi, je comprends aussi Maria, je pense pas que c'est ce genre d'actu qu'elle a envie de voir. Non. C'est ça aussi. Bah, c'est pas ce genre d'actu. C'est qu'en fait, qu'on ait des actus parce qu'il y a la guerre en Ukraine, parce qu'on peut se prendre une bombe sur le coin de la gueule à tout moment, accessoirement, parce qu'on a eu une pandémie qui a été assez lourde, etc. Je suis OK. Mais les gars, il y a des choses qui se passent très graves dans notre pays. Je rappelle qu'il y a quand même des milliers de personnes qui dorment dehors tous les hivers, tous les étés, qu'on ne fait rien pour eux, on n'en parle pas, et nous-mêmes, en tant que Parisiens, on ne les voit plus. Donc, il y a d'autres informations qui sont tout autant importantes. Il y a des femmes, des hommes, des enfants qui se font battre. Il y a des policiers qui se font rouer de coups, il y a des pompiers qui se font caillasser, il y a des jeunes dans des cités qui se font marteler par les flics, il y a plein d'actualités dont on ne parle pas qui sont tout aussi importantes. Et en fait, à un moment donné, c'est parler que du Covid en boucle, de parler que de l'Ukraine en boucle. Eh, je vais pas le dire là parce qu'on est en antenne, mais sincèrement... Dis-le. Nique ta mère. Voilà, il est sorti. Ça, j'aime Maria, dis-le. Hashtag nique ta mère. Oui. J'allais faire ça de façon beaucoup plus élégante, mais il m'a lancé Non, je mais ne voilà, retiens tu vois, c'est... pas. En fait, c'est gonflant à force. Et je pense qu'on a des actualités qui sont... Et je suis sûr qu'on a... T'es dedans, je suis sûr qu'on a des procès qui pourraient être hyper intéressants à médiatiser, qu'on le fait pas. C'est exactement ça. Après, il y a aussi les gens qui vont donner l'autre avis et qui vont dire, bon, bah, y a de la misère partout dans le monde. Et si, au JT, on doit parler de celui qui est mort à l'autre bout de la planète, etc. et tout, que finalement, bah, on est obligé de centrer. Donc ça, je pourrais l'entendre aussi, qu'on peut pas recenser toute la misère individuelle. Non, mais déjà qu'on en essaye de en France, quoi. Mais par contre, oui, peut-être qu'au lieu de nous assommer avec le même sujet pendant des semaines et pendant des mois, oui, diversifier un petit peu. Et puis aussi l'objectivité des médias, parce que c'est plus des médias, c'est le bras armé d'un parti politique. Donc même nous, quand on se pointe devant la télé ou devant les journaux, on se demande un petit peu à quelle mouvance appartient le journal. Mais même quand, là, moi, j'ai tout à l'heure, pour le sujet précédent, j'ai sorti des articles de différents journaux. En fonction du journal, tu sais, ouais, tu sais où est-ce qu'il se positionne, tu vois. Et ça, si tu lis Libération, tu sais, voilà. Et ça, c'est pas logique, en fait, en tant que média. Si tu lis Le Figaro, tu lis Marianne. Non, mais ça, c'est pas logique, en fait. Il devrait être tu lis nazi.com.
très bon. Très bonne revue. Hi Hitler. Ah mais tu vois. Alors attends parce que si le Facebook ne se coupe pas. Je comprends vraiment pas ce réseau social. Eh les gars, attention, on remet les choses. C'était alors, une boutade. On se calme. Tu chantes au HDN, on coupe tout. Et bientôt, il y aura le magazine Rocoquette. Rocoquette mag, ouais. Non, mais après, c'est ça. Je pense que si tu veux avoir une vraie info objective, bah, tu lis les médias de gauche, tu lis les médias de droite, tu lis Minute, tu lis tout. Ouais, et puis t'essayes de rassembler tout. Ton point de vue à toi, quoi. C'est ça, bon, en tout cas, voilà, en tout cas, de toute façon, tous les journaux, il y a un journal. Tu regardes le journal de TF1, c'est orienté. Tu regardes le JT de France 2, c'est orienté. Tu regardes CNews, c'est orienté. BFM, c'est orienté. Ah oui. Mais c'est magnifique, hein, le journal de TF1. Oui. TF1, pardon. Le midi, la France est belle, il y a des coquelicots, ouais. Des pâquerettes, des crêpes. C'est Pernaud qui a dit ça. C'est Pernaud, ouais. Et puis le soir, par contre, c'est dramatique, hein, les gars. Ouais. Moi, je regardais. Mais c'est Pernaud, en fait, Pernaud. T'apprends rien en même temps à 13h. Hein. Tu Pernaud, vois un mec en fait, qui fait du fromage. Ouais, mais c'est sympa, façon, je veux dire. Parce que Pernaud. Ils l'ont mis dans le journal parce qu'il avait voulu le faire et tout ça, mais à la base, Pernaud, c'était même pas un journaliste. Oui. Ben, il a voulu faire, il a fait de l'école de journalisme, mais oui. Il était plus animateur, plus dans le. Oui. Dans le c'était un journaliste, mais pas. Et c'est lui qui a dit moi, je veux faire vivre la France d'une autre manière. Bah et oui, au début, on remarquait bien. Hein. Et au début, le journal de TF1, il s'était pas trop chaud. Il a dit je peux faire deux. En fait, il avait fait tout. À la base, au début, quand il a commencé, il avait fait deux, trois reportages ouais. Comme ça et tout. Ouais. Et quand ils ont vu que les audiences des reportages. Que c'était la France d'en bas ou la France voilà ouais, la France profonde l'audience commençait à monter alors qu'au début TF1 ne voulait pas ils ont dit à Pernaud bah continue donc Pernaud il a fait trois sujets le plus important au début puis après c'était que voilà les coquelicots les fleurs et c'est lui qui a mis ça cette œuvre là et franchement TF1 ne peut plus se passer de cette œuvre là. Parce que même les journalistes, Jacques Legros, tout ça, ouais. Je pense que ça doit les faire chier de dire « Allez, on va tout de suite dans un marché ouais. !» Mais en même temps, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, genre, il y a un cadre... Ouais. Mais Pernod avait orienté comme ça. C'est un moment de la journée et je ne vois pas rentrer chez nous pour la pause-déj et écouter des horreurs à la télé. C'est vrai que le soir, c'est le moins pire. Mais, mais le midi, je et pourtant, Pernod avait fait des trucs aussi, ouais, parce qu'il avait été à New York pour les attentats. Ah oui, il avait fait quand même des gros JT quand même. Mais, voilà. Mais il aimait bien, tout de suite, on va sur le marché, on va manger des pommes de terre. Dans les Alpes. On va manger de la bonne saucisse. Et voilà. En tout cas, bien sûr. Si vous avez un avis sur les médias, n'hésitez pas. Si vous voulez nous écrire, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à contact@voxtv.fr. Si vous voulez, ou sinon, vous m'envoyez par Facebook. Je vous en donnerai un lien pour intervenir avec nous en direct, comme il l'a fait tout à l'heure Nico en direct du Canada. C'est pour vous dire que vous pouvez intervenir d'où vous voulez. Et tout en quelques minutes aussi, on aura Elsa. Qui sera avec nous un gros témoignage de Elsa sur le Covid long qui a développé. Alors elle a eu le Covid et vous verrez tout ce qu'elle a développé chez elle. Elle sera avec nous dans quelques minutes et malheureusement elle n'est toujours pas sortie d'affaire. Donc elle nous expliquera comment son combat quoi. Son combat. Donc Elsa dans quelques minutes bien sûr. Et si vous voulez intervenir avec elle, n'hésitez pas à envoyer un petit mail aussi pour intervenir avec Elsa. Donc voilà. Mais là tout de suite on va jouer. Ah, donc Elsa, il paraît qu'il faut que je te renvoie un lien. Donc je renverrai un lien à Elsa dans quelques minutes aussi. Bien sûr, parce qu'en fait, j'ai envoyé le call à Nico, c'était pas le bon. Donc voilà, on va le faire, vous inquiétez pas, mais on aura Elsa dans quelques minutes. Tout de suite, c'est parti pour l'actu en vrac. Et là, il y a du débat. Et vous allez débattre avec nous, vous allez trouver l'info que je vais vous donner. C'est parti, c'est l'actu en vrac. L'actu en vrac, c'est toute l'actu de la semaine que vous avez sûrement... Absolument pas regardé. Que vous avez peut-être sûrement vu sur votre réseau. Je me regarde que moi maintenant. Un petit truc, une petite notification. C'est vachement plus sympa. Donc voilà. La première question. Quel parti politique est emporté dans la tempête d'une affaire de violence sexuelle? Bah, le social parti socialiste. Le socialiste, le PS. Pas le socialiste. C'est à gauche ou à droite? C'est à gauche. Les communistes? Non. Les écologistes? En fait, un parti qui... Le modem?
Non plus, hein, c'est gauche. Qui a rassemblé, mais avant qu'ils rassemblent. Ah, ça s'appelle comment? Le truc de Mélenchon, là? Eh oui, Insoumis, les Ah oui, je l'ai vu, ça, par contre. Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis dans la tempête de l'affaire. Oui, d'accord. Bourrache. Ça arrive à un moment assez stratégique aussi. Ouais. Je sais même pas comment on dit son nom à ce mec-là. Bouaf, Bouache, je sais pas. Le premier jour de la nouvelle Union populaire formée en vue des élections législatives ont été troublés par l'affaire entre antiracisme et défendre de la parole des femmes. Donc voilà. Ça me rappelle un peu, un petit crossover, ça me rappelle un peu quand même ce qui s'est passé avec Dodo et les présidentielles. C'est rigolo. Dominique Strauss-Kahn, hein, voilà, Dodo. Oui, non, Dodo, oui. Dominique Strauss-Kahn. Okay, voilà. C'est vrai que ça arrive à un moment. Alors, cette affaire aura-t-elle un impact sur la campagne en vue des élections législatives? C'est la question que je vous pose ce soir. Oui. Est-ce que ça, franchement... Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud. Là, on sort les quatre. C'est quoi? C'est des faits d'agression? On reproche quoi à ce monsieur? À ce monsieur. Les premiers jours de la nouvelle Union populaire formée en vue des élections législatives ont été troublés par cette affaire anti-raciste et défendre la parole des femmes. En fait, donc, il a une agression sexuelle. Oui, il a eu une... Mais il y a une enquête en cours. Oui, il y a une enquête en cours et je pense que oui, il y a une... Je suis en train de regarder aussi. De toute façon, ça a forcément... Mais voilà, on sait que c'est les élections législatives. Oui. Comment il s'appelle le parti déjà? Insoumis. Ah oui, les Insoumis. Il faut sortir les Insoumis, bah tiens. Ouais. Oui, maintenant c'est... C'est une blague. On n'est plus Insoumis. Non mais oui, ça a toujours des conséquences dramatiques, hein. On a vu des politiques... Accusés de violence sexuelle. Voilà. Donc, accusé, ouais. Mais après, encore, c'est pas Mélenchon. Mais bon. Non, mais il n'y a rien de mieux pour terminer. En même temps, il s'appelle Tabouaf, hein, qu'on fallait bien lui accuser. Comment on dit Tabou? Tabouaf. 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 C'est loin de dur, ça. Alors, bonjour, monsieur Tabouaf. Ouais, c'est loin de dur, ouais. Tu peux le représenter, maître Johan? Je pense qu'il a déjà ce qu'il faut, comme... Non, mais est-ce que ça, c'est maintenant qu'il faut le sortir? C'est toujours la même chose. C'est qui sort ça? C'est qui? Ben, il faut se poser la question, comme on droit, à qui profite le crime. Donc, tu verras qui sera élu aux législatives et t'auras peut-être une petite idée. Est-ce que tu penses que cette affaire pour avoir un impact sur la campagne? Ça ternit toujours un peu. Enfin, tu sors jamais vraiment blanchi ni indemne de ce genre d'accusation. Donc, bien sûr que ça a un impact. Après, bon, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Ça devient un peu grossier, en fait, ça devient un peu trop gros, parce que l'agression, elle a peut-être eu lieu il y a un an ou deux ans, peut-être qu'il n'y a jamais eu d'agression, mais on sort ça là maintenant. Bah, même si ça a eu lieu il y a un an ou deux ans, enfin, je veux dire, il y a une agression, quoi. Si agression, oui. Il y a eu, enfin, moi, je sais pas, il y a quand même une victime dans l'histoire. Ouais. Si agression, il y a eu encore une fois. Oui, mais je veux dire, s'il y a eu une agression il y a deux ans, bah, du coup, il fallait en parler il y a deux ans. Je t'assure que c'est pas évident de parler d'une agression quand ça s'est passé. Il y a pas de culpabilité à avoir par rapport à là-dessus. Mais est-ce que vous avez vu quelque chose aussi? Il y a Stéphane Larue qui m'envoie un message. Merci Stéphane Larue. Il est pas jugé. Bah vas-y. Non, c'est là, il a été entendu. Oui, voilà. Donc il y a la présomption d'innocence. Je veux dire. Ouais, il a été entendu. Bouaf, le jour où je tombe sur lui, si alors il met quoi? Je suis capable de me le faire, nous dit Stéphane Larue. Donc voilà, il veut se faire bouaf. Mais pourquoi? Il dit n'importe quoi sur moi, genre je suis un bourgeois. Voilà, il parle sur lui sur Twitter. Il s'est excusé pour avoir des... excusé pour avoir dit des conneries, mais jamais à moi directement, qu'il aime se faire foutre. Voilà. Puis là, il se fait foutre. Super. Donc merci. C'était le commentaire hyper utile. Voilà, merci. Allez, Téla. Et oui. Jean-Luc Mélenchon a quand même tweeté « J'apprends les accusations contre Taha Bouaf. La parole des femmes doit être entendue sérieusement. Je compte sur la commission ad hoc de LFI et pour établir la vérité. Cela n'exempte pas les racistes qui l'ont harcelé. » Et après Stéphane, il se fait harceler aussi par Stéphane, il va dire, bon bah... Encore une fois, il y a une présomption d'innocence, ouais. Mais par contre... Mais c'est vrai que ce mec-là, je le connaissais même pas, il était dans le Rhône, le type. Ah, donc voilà, pour le cas, je le connais pas ce bouaf, mais bon voilà. Il y a Yanis qui nous dit, j'ai subi une agression physique en 2019, j'hésite encore à porter plainte. Un jour, j'ai tenté de porter plainte contre des oppresseurs. Des oppresseurs, et j'ai été mal reçu par un policier. Yanis. Mais c'est pas étonnant, hein. Yanis. Il s'appelle Yanis, le type, il s'est fait agresser ou harceler, ou peu importe. Yanis, on va faire un truc simple. Yanis, ce soir, on est en libre antenne. Ouais.
contact@voxtv.fr, ouais. Viens nous raconter ton histoire, Yanis. Appelle, ouais. Voilà, mais voilà. C'est pas on étonnant. On l'avait déjà eu en plus, Yanis. On l'a déjà eu en plus. Ouais. Donc, voilà. C'est vraiment pas étonnant. Et après, c'est, je trouve ça dommage en fait que. Et tu vois, en fait, en tant qu'agression faite sur une femme, je te dis, c'est pas évident en fait d'en parler. Tu te sens déjà mal, tu te sens déjà. Et il y a plein de nanas. Ah, mais ça peut prendre 10 ans pour sortir du silence. Et d'ailleurs, c'est pour ça que. Comment on appelle ça? Le délai d'accusation? La présomption, la prescription. Voilà, la prescription, elle est hyper longue en fait. Le mec, il est toi, c'est bien, t'en dirais. Hyper longue, mais parfois. En parlant d'agression sexuelle, est-ce que, vite fait, je vais en parler vite fait, après on a d'autres actus aussi à traiter. Vous avez vu les filles qui ont parlé là sur un média là sur ceux qui sont fait attaquer là par Patrick Bah pas attaquer mais Ouais, mais les filles qui parlent comme ça et tout, franchement tu te dis c'est fort quand même. J'ai regardé le truc, j'ai dit quand même ils ont du courage à venir. Alors après est-ce que franchement je les trouve fortes les filles. Mmh. Après bon les journalistes disaient pourquoi maintenant et tout ça, mais moi je trouve déjà que c'est fort de venir sur un média et toutes ils étaient là toutes alignées et tout et ouais. Et dire en fait comment ça s'est passé. Mais moi, il y a un truc qui m'a choqué aussi, c'est que quand même, c'est vrai qu'on disait, tout le monde savait à TF1, oui, mais oui. Tout le monde allait dans son bureau après le journal. Si tu sais que le mec, tu vas pas dans son bureau après le journal, désolé. Bah moi, je vais pas bosser avec lui. Hein. Voilà. Mais de toute façon, même dans le cinéma, aux États-Unis, c'est une notoriété publique que certaines personnes étaient des prédateurs sexuels. Aux cérémonies des Oscars, ils faisaient même des blagues dans les discours là-dessus. Donc c'est juste une autre époque, quoi. C'est une époque où c'était toléré. Et aujourd'hui, grâce au mouvement MeToo, balance ton porc, ben. Bah, il y a Yanis qui dit maintenant, je balance mon porc sur les réseaux sociaux. C'est plus efficace. Voilà ce que me dit Yanis. Ah ouais, c'est clair, c'est beaucoup plus efficace aujourd'hui. Il faut faire monter la sauce et puis et en parler. C'est ce qui fait peur aux agresseurs et c'est ce qui va dissuader les autres. En tout cas, on va suivre aussi ça, cette affaire chez Mélenchon. J'espère que là, les mecs, ils sont unis. Et puis là, ils se disent, oh putain, une casserole au cul. T'as coupé les écolos ouais. Oh merde, on vient de signer là. Putain, merde, déconner, les gars. C'est chier là. Il y en a un autre qui a violé. Qu'on le dégage tout de suite. Oh merde. Si tu veux faire le ménage dans la classe politique. Ah ouais, putain. Il y en a un. Merde. Et Trotskan, on le prend. Non. Mais lui, il a pas violé. C'est vrai que. Oui, il a pas violé. C'est vrai. Bah, non, c'est le seul socialiste que je défends, les gars, à noter. Ouais, ouais bah, pour l'histoire des prostituées, des escort girls, ça c'est rien. Après, il y a des histoires de... Il se tape une pute, hein. Oui, c'est vrai. Mais dans la chambre de tête, tu penses qu'il y aurait eu? Non. Pour moi, c'est un gros montage. C'est un gros montage. Non, moi j'y crois pas. Okay. C'est trop toi, gros. Toi aussi, tu crois pas? Bon, bah très bien. Bon, dites-nous, parce que vous y croyez sur DSK. Deuxième actu. Quel homme politique? Bon, on est encore dans la politique. A expliqué combattre des nazis. Tiens, on parlait de ça tout à l'heure, tiens. On en rigolait des nazis. Ah, mais... attends, c'est Poutine. Eh oui, bravo. Bah, Poutine, oui. Oh oui, putain, il a une tête, ce mec. Bravo. Poutine par Poutine. Rapport aux néo-nazis ukrainiens. Poutine explique à Scholz, je sais pas si je le dis bien, combattre des nazis. Le président russe Vladimir Poutine a insisté vendredi 13 auprès du... chandelier allemand Olaf Scholz, c'est ça? Olaf Scholz. Olaf Scholz. Ouais, c'est ça. C'est bien. Olaf Scholz. Angela, c'était quand même vachement plus simple. Ouais. En fait, faut que je vomisse. Olaf Scholz. Parce que quand tu parles russe, on vomit. Sur une analogie nazie des forces que la Russie combat en Ukraine en justifiant une nouvelle fois son offensive. Que pensez-vous des dires de Poutine? Que ça ressemble à de la propagande typique de certains pays de l'Est, mais je pense que ni la France ni l'OTAN, enfin que la France et l'OTAN pratiquent ce même type de propagande quand il y a un message à faire passer, donc ça me choque pas, mais Poutine n'est pas celui qui me choque le plus, ils me choquent tous des deux côtés, et effectivement... Il faut savoir qu'il y a les néo-nazis en Ukraine, comme il y a des personnes très peu fréquentables du côté russe. Mais voilà, donc il faut savoir aussi prendre la distance par rapport à ça et éviter de voir le truc tout noir, tout blanc. C'est pas faux ce que dit Poutine. Mm-hmm. Il y a des néo-nazis en Ukraine. Ce sont des pays extrêmement racistes et extrêmement... Mais ils ne le combattent pas. Non.
Non, tout cet armement, toute cette guerre et tout ce bruit autour de la guerre, le but n'est pas de lutter contre là, le néofascisme. Il va attaquer aussi la Finlande. Non, bah, non, il, non. Voilà. Donc, non, parce qu'il a peur que la Finlande rentre dans l'Union Européenne. Dans l'OTAN. Dans l'OTAN, voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Maria? Je suis assez d'accord avec Joanne. Sincèrement, c'est des pays qui sont hyper racistes, donc il y a des néo-nazis, je veux dire, ça, c'est connu comme le loup blanc. Maintenant, okay. Franchement, je suis pas sûre que ce soit la news à retenir. Il y a Stéphane Larue qui me dit quoi? Ta chroniqueuse qui passe, genre tranquille, on s'en fout. Putain, t'as dit à Stéphane, parce que je t'ai coupé, t'as dit on s'en fout. Merde, mais c'est pour moi, parce que je l'ai coupé parce qu'elle allait dire quelque chose, c'est pas pour toi, Stéphane, t'inquiète pas. Sur Tafa, là, parce que quand t'as dit sur Tafa, là, parce que, en fait, il a été harcelé par Tafa. J'ai été harcelé. Fallait porter plainte, frérot. Donc voilà. Et c'est qui ma chroniqueuse? Il est encore temps. Voilà, c'est Maria, tu viens nous voir. Voilà, Maria est là. Bah oui, viens. Voilà, viens nous voir. Non, mais voilà, mais t'as été harcelé, Stéphane. Mais si vous nous en parlez aussi que tu as été harcelé par Tafa, franchement, pas Tafa, Tafa. Taa. Taa, oui, Taa. Taa. Oui, donc viens nous en parler avec grand plaisir, en tout cas Stéphane, parce que tu sais. Ah bon, d'accord, ok, donc on a une autre victime de. Qui a été harcelée, mais sur Twitter. Voilà, qui a été harcelée sur Twitter, mais tu nous en parlais un peu plus. Bah écoutez les gars, ne soyez pas sur Twitter. Ouais. D'ailleurs, Twitter, ben, je sais pas si c'est dans l'actu en vrac, mais. Elon Musk. Ouais, je verrai. Encore peut-être je vous dirai tout à l'heure. Il a racheté. Il a. Bon, on l'a fait la semaine dernière. Alors, je sais pas si c'est dans l'actu en vrac. Je sais on pas l'a si... fait il y a 2 semaines. Bah, il l'a racheté, mais il paraît qu'il va en fait, il veut plus l'acheter. Pourquoi? Ouais, bah, je sais pas si c'est dedans, mais. Ah, et moi, j'ai vu qu'il voulait réintégrer le. Vous me foutez dans la merde. Je crois pas que c'est dedans, parce que je l'ai pas lu tout à l'heure. Ah, bah, vas-y. Je l'ai pas lu. On en parlera après alors. Voilà. De combien d'euros de combien alors on est là, troisième question. De combien d'euros les Français estiment manquer chaque mois pour vivre convenablement? Et ça je l'ai vu aussi. C'est pas 250 ou 300 non. euros? Non, ou 500? C'est plus, c'est moins. C'est plus. 500? C'est 500, c'est moins. 400? 450. C'est et un peu juste plus. Pris le 480. C'est un peu plus. 490. 492. 495. 490, ça veut dire quoi 490? 490. C'est ça. Oui. Attends, mais les Français. 490. Contre toi et ils t'ont dit. Le pouvoir d'achat, les Français estiment de manquer de 490 euros pour. 490 euros par mois pour vivre convenablement. Convenablement. T'as des problèmes à parler aujourd'hui. Ouais, convenablement. C'est bon. Convenablement. Correctement. Convenablement. Voilà, vivre correctement. Voilà. Bien sûr, donc voilà, c'est. Ouais, ouais, non, mais ça m'étonne pas. Ouais, c'est ça. Si ouais. Tu veux te permettre de faire un petit resto et un petit week-end. Moi, il me manque 600 euros chaque mois, donc. Ouais. Donc voilà. Et bah écoute, je pense à la. Comment dire, à des GoFast. Voilà. D'ailleurs, si vous avez au cas où des plans, les gars, là, je suis à deux doigts. Je suis à deux doigts de faire le trottoir des fois. Je me dis, bah non, alors tu sais qu'il y a un truc, qui est beaucoup plus vendeur. C'est quoi? Et bah en fait, il y a des sites. Alors attendez, enfin, vous allez beaucoup rigoler parce que je me suis quand même renseignée sur le sujet. Mais pas, je me suis. Non, même pas. Non. C'est pire que ça. Il y a des sites oui. pour vendre ces sous-vêtements usagés. Ah bah oui. Mais, ah oui, mais pour les femmes. Non, pour les hommes mais aussi, il y en a qui les achètent. Ruby, Nika. Alors attention, je mets. Alors là, celui arrête. Qui me l'achète. Celui qui me l'achète, là, tout de suite, là, je vends ce box. Je sais pas lequel j'ai mis aujourd'hui. Un boxer vert, dégueulasse. Grave, tu me vends pas du rêve, hein. Un boxer vert, dégueulasse, je vous jure, je vous vends 50 euros. 50 euros, ça passe ou pas? Tu vas vendre l'eau de ton bain aussi. Mais, celui qui me l'achète là tout de suite, là, non. Je vous jure, là, on en direct, sur MyBox, je vends mon boxer 50 euros, je pense que ça t'intéresse. Maria, ça t'intéresse? Absolument pas. D'accord. Non, je crois que je fais une taille au-dessus. C'est vrai, non, mais voilà. Parce que tu comptais le porter après. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire les gens si c'est pas le porter? Bah écoute, je veux pas. On n'est pas encore dans l'after show, dans l'after love, mais. Tu peux te sentir comme ça. Comme Bernard vous Montiel. Dire, il... tout à l'heure. Comme Bernard Montiel, il a fait avec la culotte à vendre de l'autre sur le plateau TMP. Pour vivre, alors comptablement, les Français considèrent qu'il manque une moyenne de 490 euros, le montant en hausse de 23 euros par rapport à la dernière édition du baromètre du pouvoir d'achat Cofidis, publié en septembre 2021. Les Français vivent-ils réellement au-dessus de leurs moyens? Bah oui, c'est connu. Mais non. C'est pour ça qu'existent les crédits à la consommation. Tu te rends compte du nombre de crédits à la consommation qui existent en France, quand même? Ouais, bon, c'est moins pire maison. C'est moins pire qu'aux États-Unis. Moi, j'en avais pas.
Mais c'est moins pire qu'aux États-Unis, mais. T'as pas de crédit? Non. Bah non, j'ai pas encore d'acheter l'appart. Ouais, c'est vrai. Arrêt crédit voiture, non, j'ai jamais fait crédit voiture. Bah moi j'ai voiture de fonction. Donc ça va. Ça limite le dégât. Non, je trouve qu'il y a beaucoup les gens. Même les paiements en 3-4 fois, c'est un crédit hein, malgré tout. Mmh. Ouais, c'est vrai. Donc les gens se tournent vraiment vers ces solutions-là. Beaucoup, beaucoup trop facilement et peut-être ça les fout dans la merde. Et effectivement, moi je connais des gens dans mon entourage qui achètent des télés plus grandes que le monde, etc. Mmh. Alors qu'en fait, c'est juste pour le paraître. Parce qu'il y a quelque chose dans le frigo. Je change de téléphone, c'est parce que j'ai moyen de changer de téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas m'acheter un truc personnellement où je n'ai pas les moyens. Mmh. Mon frigo est plein, j'ai un appart, tu vois, il y a des choses qui sont prioritaires. Je vais parler aux riches de la table. Maître Johan, on vit bien. Ça va, on travaille beaucoup en même temps. Ah ouais, c'est ça. Non, mais. Non, mais t'as raison, mais t'as la vérité, non? Mais la raison d'être riche. Ah, avec tous ces bijoux. Foraine. Non, mais. Moi j'ai forcément, enfin, je suis toujours assez sensible au fait que la majorité des Français ou qu'une grande partie des Français vivent. Péniblement, quoi. Enfin, tu vois, quand les gosses peuvent pas aller en vacances ou sortir le week-end, etc., et que effectivement l'argent part dans les téléviseurs, dans les écrans plats, ça me fait un peu de peine de savoir que beaucoup de gens vivent pauvrement, quoi, péniblement, et que c'est compliqué. Donc, ouais, 400, 490 euros, c'est vrai que c'est des vraies mesures qui pourraient permettre à ces gens-là de souffler. C'est compliqué vraiment aujourd'hui. Idéal. Parce que tu vois, genre, enfin. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi personnellement je vote pas pour moi, tu vois, genre comme tu l'as dit, ça va bien, donc j'ai pas spécialement envie de changer ma situation, mais par contre quand j'ai voté, bah, c'est pour les gens qui galèrent et qui vont galérer, parce que si t'as pas les diplômes ou le boulot ou quoi, il y a aucune raison que la situation change, tu vois. Très bien, je rappelle aussi dans quelques minutes aussi on aura Elsa qui sera avec nous, qui est déjà connectée, qui est déjà en visio. Avec nous, bien sûr, Elsa qui va nous faire un long témoignage sur son long Covid aussi. Vous verrez, ça va être aussi très émouvant aussi ce témoignage-là. Ah, moi, fais pas qu'elle me fasse pleurer. Hein. Bah, tu verras, en tout cas, sera avec nous en direct sur MyVox TV. Elsa, me fais pas pleurer, s'il te plaît. Bah, Elsa nous racontera ce qu'elle vit en ce moment, Elsa. Et c'est très, très, très important. Mais tiens, quel sportif sera en tête de Série 5 à Roland-Garros? Nadal ? Eh oui, Rafael Nadal. Rafael Nadal sera... Bah voilà, Rafael Nadal, on le voit. Rafael Nadal en tête de la série 5 et pourtant affronter Novak Djokovic. Dès les quarts de finale, éliminé des huitièmes de finale à Rome de Denis. Donc ça, lui, franchement, Rafael Nadal, en ce moment, il perd tous ses matchs. Ouais. En ce moment, Rafael Nadal perd tous ses matchs. Il est vieux encore. 1-6, 7-5, 6-2. Jeudi, blessé au pied gauche. Rafael Nadal a quitté de 10 jours seulement le début de Roland-Garros, du 22 mai au 5 juin. Donc le Roland-Garros va bientôt commencer. Ça commence quand, là? Le 22 mai, le Roland-Garros. Et après, comment? Quels sont vos pronostics? Vous en foutez? Vous regardez le tennis ou pas? Moi, je regarde, mais de loin. Parce que depuis, moi, j'aime bien Novak. T'aimes bien, ouais. Je suis très Novak, ouais. Federer, il est là, pas? Il va être là, ouais, je pense. Il est là? Federer, non. Ah non, Federer. Non, je crois pas. Non, je crois que ça y est, hein, c'est ouais, fini. Ouais. Hein. Bah, Djokovic. Ouais, Djokovic. Ça va être Novak. Peut-être Nadal encore un petit. Il va non, pas, parce que ouais, j'ai lu qu'il blessé. Était blessé au dos, à la jambe. Et en plus, il perd tous ses matchs en ce moment. Ouais, c'est un bâton, mais bon, peut-être que là, il est arrivé au bout. Bon, ouais, je pense qu'il est arrivé au bout là, de sa carte de tennis. En plus, c'était son. C'est ça, s'il gagnerait, c'est son 15e, c'est ça, non? Ouais, j'étais resté à 13, moi. 13, ouais, donc ça serait peut-être que j'ai gagné. Mais bon, voilà, en tout cas, Roland-Garros. Moi, Roland-Garros, j'aime bien. C'est le seul truc où. Et j'aimerais bien y aller un jour. Bah, moi j'ai fait. Si tu m'offres une place. Alors je vais pas te l'offrir. J'ai fait les travaux du cours principal. Ouais. Quand il était en travaux là, il y a. Ouais. Et tu verras Catalina là-bas. Et c'était hyper, c'était hyper sympa d'y être sans. J'annule. Pourquoi t'annules? Il est con. Non, mais tu sais bien que. On s'entend pas. Mais ouais, je sais. Après, c'est, grand, c'est une blague entre nous. Ouais. C'est une blague. Marzon Barrière. Non, mais c'est vrai parce que. Y a une... Non, mais allez-y, les gars. Hein. Écoutez, allez-y. Il y a une fille là-bas qui travaillera là-bas à Roland-Garros. Où il y a le mec de BNP qui va la faire applaudir.
On va pas faire 10 minutes là-dessus, mais effectivement. Donc, ouais. Non, mais Roland Garros, t'aimes aussi. Roland Garros. Mais non, mais j'avoue que tes travaux, ils sont beaux. C'est quoi tes travaux? Parce que t'as. Ah, mais je vous parle plus, les mecs. Non, en fait, il y a eu le cours Chartier, là, qui a, je sais ça, ouais, qui a été en travaux il y a deux ans. Et Chartier. Chartier, je sais plus. Ouais. Chartier, ouais. Et il a été en travaux, et en fait, vu que je travaille dans le bâtiment, j'ai participé avec. Chatrier. Tu peux pas nous faire rentrer, hein. Bah, j'aurais bien aimé, mais non. Non, c'est mort. Je l'ai fait quand je suis rentrée dedans, quand il était vide. Tu connais pas le patron de la BNP? Bah si, je suis mariée avec. Parce que il fait applaudir du monde. Ouais, ouais. Mais c'est quoi l'histoire? Parce que alors là... En fait... C'est lui, là. Le robeur. En fait, Catalina, c'était une chroniqueuse ici, et elle a travaillé pour Roland Garros. Et elle avait publié une vidéo comme quoi que bah, le patron de la BNP il avait dit que c'était une c'est des. Quasiment elle qui, enfin, c'est quasiment elle qui mettait l'ambiance et tout ça, et tout le monde l'a fait applaudir. Le tournoi existe. Et, enfin. Et comme il est en vénère contre elle, c'est vrai que je lui en fais pique en fait. Non, mais en fait, on s'est embrouillé et voilà, lui, il essaie de nous rabibocher depuis le début. Et moi, j'essaie de les rabibocher. Parce mais que... s'ils ne veulent pas, pourquoi tu forces? Bah, moi, je veux pas. Il veut pas. Bah voilà, bah laisse-le. Bah respecte son choix. Ouais, laisse-moi. Quand une personne dit non, c'est non. Quand c'est non, c'est non. On appelle ça le consentement. C'est ça. Ça marche. Alors, aussi dans ces cas-là. Quel but, hein, allez, la vôtre, Elsa. Allez, vite. Qu'a-t-on récemment découvert sur les premiers patients hospitalisés du Covid 2020? Eh ben, non, on va faire cette info avant Elsa. Comme ça, hop, on va suivre le conducteur. Quelle marque de jouets pour enfants a récemment adopté une, hein, une Barbie. Démarche exclusive? Barbie. Eh Mattel. Oui, c'est Barbie. Eh oui, c'est Barbie. Ça, je l'ai très vu. Bien, Barbie. Alors, ils ont fait avec Barbie. Le petit appareil auditif. Et ils en ont fait avec du vitiligo, avec des fauteuils roulants. C'est vrai? Ouais, ouais. Wow. C'est vachement bien la démarche. Temps, hein. Par contre, ils n'ont toujours pas fait des Barbie grosses. Ils sont inclusifs, mais pas tant mais que ça. Mais il faudrait aussi qu'ils se lancent sur les genres, hein, des Barbie non genrées, etc. Enfin, non, il n'y est pas encore. Ah oui, mais on a attendu 2022 pour faire le handicap, quoi. Donc, c'est en ça, 2072, oui. Peut-être. Ouais. Mais j'avoue, au niveau du poids, c'est toujours la Barbie. Ouais. On est toujours à l'antenne. Ouais, toujours sur le Barbie. Faut juste renvoyer le lien à Elsa parce qu'en fait, je me suis trompé de lien. Non, j'ai envoyé à Nico. Donc, continue à parler de Barbie si tu veux. Parce donc, que... parle de Barbie. Moi, je kiffe Barbie. Quand j'étais petite, ouais. Je kiffe Barbie. Donc, Barbie. Voilà. C'est Elsa, je te renvoie un lien pour te mettre en visio avec nous. Barbie de base. 24 balles. Ouais. Parce que moi, du coup, on lui parle plus. Et en tout cas, moi, je vous écoute depuis tout à l'heure. Moi, je vous écoute depuis tout à l'heure pour parler de Barbie. Non, mais les mecs, ils s'en foutent. Mais moi, je trouve que. Alors, le débat, c'était est-ce que l'exclusivité chez les enfants sera-t-il un réel impact pour. Voilà, tout ça. Moi, je trouve que c'est bien. Non, c'est bien. En 2022. Mais par contre, c'est en retard, quoi. Enfin, les handicaps, ça arrive depuis longtemps. C'est vrai. Et ce qu'on dit, les Barbie non genrées, etc., elles vont arriver en 2072 à un moment donné. Il y a Disney qui commençait un peu à traiter le sujet, tu vois, avec la Reine des Neiges 2, où apparemment elle aurait été. Bon, on s'en fout. On est en retard. On est en retard. Putain, la question. Qu'a-t-on récemment découvert sur les premiers patients hospitalisés du Covid 2020? J'en sais rien. Covid en 2020. Pardon. Passe. On n'a pas le temps. Vas-y, va à la réponse. Allez, je vous donne la réponse. La moitié des premiers patients hospitalisés en 2020 ont toujours des symptômes selon une étude. Donc on en parlera aussi avec Elsa aussi. Donc voilà. Une étude menée sur des anciens patients de Wuhan rapporte que plus de la moitié d'entre eux souffrent encore de fatigue, de douleurs, de problèmes de sommeil et encore de problèmes mentaux plus deux ans après leur hospitalisation. Et ben, moi je le dis clairement, il y a Elsa qui est avec nous ce soir. Elsa qui a le Covid de long. Parce qu'on était là-dessus aussi et on peut faire le débat avec elle. Est-on informé sur les conséquences du Covid? Est-ce qu'on est informé sur les conséquences du Covid? Et là, en plus, on a Elsa ce soir, bien sûr. Donc voilà, et si je te rappelle à tous les spectateurs, si vous avez des questions à poser à Elsa ou même un petit message d'encouragement, si vous voulez passer en visio avec elle, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à contact@voxtv.fr, contact@voxtv.fr, et on peut mettre deux visios ensemble. Si vous avez un petit mot à dire à Elsa, mais déjà, on l'accueille. Bonsoir, Elsa. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir Elsa, comment ça va? La forme. La forme. Bah, la forme en tout cas. Elsa qui est accompagnée ce soir, c'est comment il s'appelle à côté? Sébastien. Sébastien. Bah, bonsoir Sébastien, bonsoir Elsa. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux d'être avec nous ce soir sur l'émission Le Zedric Show. En tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir ce soir et peut-être qu'on va aussi comprendre le combat d'Elsa que je suis aussi sur les réseaux et je pense que c'est important aussi ce soir de le médiatiser. Donc je vous présente Maria qui est aussi là, bien sûr, et Maître Johan et puis bien sûr tous les internautes qui sont avec nous ce soir sur Twitch, sur Facebook, sur YouTube, on est partout. Facebook, Twitch, YouTube, n'hésitez pas à réagir avec nous. Elsa, ton combat, déjà tu as attrapé le Covid quand? Est-ce que c'était au début du confinement, avant le confinement, après? Comment ça s'est passé? Alors, j'aurais donc attrapé le Covid en janvier 2020, Oui, ça. D'accord. où j'ai commencé à avoir des symptômes, enfin bénins, on dira, hein, comme une sorte de rhinite, enfin rien de très grave, hein, honnêtement. Et par la suite, en fait, mon état s'est dégradé. Il faut savoir qu'à l'époque, on ne parlait pas du Covid en janvier 2020. Et pourtant, il existait déjà. Il existait En déjà janvier et 2020, il était là. Ouais, on en il était parlait déjà là. en Chine. Nous, on a attendu mars, quoi. Voilà. Ouais. Février. Ouais. Fin, on a attendu février, mi-février, je crois, si je ne me trompe pas. Et en fait, mon conjoint a eu de la fièvre. Enfin, t'as eu des symptômes. 10 jours après toi. 10 jours après moi. 10 jours après moi. On était même en Guadeloupe, pour vous dire, on était en Guadeloupe et le médecin lui avait dit, vous avez une grippe atypique. Voilà. D'accord. Et sauf que moi, mon état, il s'est dégradé avec le temps. Il s'est dégradé. J'ai eu des problèmes intestinaux, donc j'ai pensé que j'avais la maladie de Crohn, parce que vu que j'en ai dans ma famille, je me suis dit, bon, bah voilà, je tombe dans le Crohn. Et puis, bah en fait, d'autres choses se sont cumulées, des troubles neurologiques, des troubles de l'élocution, des troubles de concentration, des choses dermographiques sur mon corps, des vomissements incessants. Donc j'ai commencé à consulter, des choses ressortaient, mais il n'y avait pas de pathologie en soi-même, même auto-immune, qui ressortait. Et de là, je suis allée en médecine interne. Au bout de 3 jours, je vous la fais courte, hein, au bout de 3 jours, je suis sortie avec un diagnostic de maladie psychosomatique, boulimique D'accord. anorexique. Voilà ce qui a été ressorti. Puis apparemment, mes vomissements, je me faisais vomir. Et par la suite, mon état s'est dégradé de plus en plus, hein. Des troubles de la vision, enfin vraiment, il y avait tout un ensemble de symptômes qui s'enchaînaient, je ne comprenais pas ce qui se passait, hein. De plus en plus rapidement. De plus en plus rapidement, sauf que la médecin qui, à l'époque, soi-disant, me suivait, disait qu'il fallait que j'aille en psychiatrie, absolument. Donc, tous les rendez-vous médicaux que j'avais étaient bloqués par cette femme. Jusqu'au jour où bah, j'ai fait une tentative de suicide. Parce que mon corps me faisait tellement souffrir. Et mon conjoint, vous avez changé, hein, vous avez changé. Et elle a dit qu'en gros, il fallait que j'aille en psychiatrie pour continuer. En gros. En gros, voilà, on a dit tant Est-ce qu'à qu'ils lire avaient un pas en détecté que c'était le psychiatrie Covid pour à ce soigner moment-là des ou pas du tout? Non, je ne savais pas. Honnêtement, je ne savais pas. Je cherchais de partout ce qui m'arrivait, mais je ne savais pas ce que j'avais. Je ne comprenais pas. Et donc, enfin, je me mélange là, ça y est. Donc, j'ai été en Bah de psychiatrie. là, elle l'a poussé à aller en psychiatrie parce qu'elle elle lui a dit du moment que vous allez pas en psychiatrie, je peux plus rien faire pour vous. Si vous allez en psychiatrie, je continuerai à vous suivre au niveau de la santé. Et au final, elle s'est retrouvée en psychiatrie et on a eu l'abandon de cette médecin-là. Elle a abandonné complet en psychiatrie et donc on a dû rechercher encore. Et du coup, pour aller un peu plus vite. Je Oui, cherchais prenez votre temps, hein, vous justement inquiétez pas. sur. Ah ouais. C'est qu'après, ça se mélange là-dedans. C'est que donc je cherchais sur Internet ce que je pouvais avoir. Et j'avais trouvé ce qu'on appelle le syndrome d'activation mastocytaire, qui est une réaction, enfin, c'est des choses un peu allergiques à tout, enfin, vraiment allergiques à tout, et qui peut provoquer des trucs dermatographiques, de l'urticaire, des gonflements, parce que j'avais beaucoup d'œdème.
Et en fait, j'ai fait un lien à un moment donné, j'ai vu que le syndrome d'activation mastocytaire avait augmenté depuis le Covid. Et de là, j'ai dit à mon conjoint, je suis sûre qu'on a eu le Covid en janvier 2020. Et par la suite, ça s'est enchaîné parce que toi, tu as trouvé une nouvelle médecin qui a repris mon dossier. J'ai eu la chance qu'elle reprenne mon dossier et qui d'ailleurs m'a cru. Il faut savoir que je suis arrivée dans son cabinet, j'avais à peine 5 de tension et 35 de pulsation de cœur. Tenais à peine debout, je pouvais même plus parler. Et elle m'a posé des questions depuis que j'étais jeune. C'était beaucoup mon conjoint qui parlait parce que moi, j'étais dans un autre monde complet. J'avais des bleus partout sur le corps. Enfin bref, voilà. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Elle t'a posé des questions depuis toute petite. Voilà, des questions depuis que j'étais toute petite. Et comment ça avait commencé vraiment, tout ça quoi. Et on lui a exposé le syndrome d'activation mastocytaire et cette possibilité d'avoir eu le Covid. Et elle l'a pas nié. Elle l'a pas nié, clairement, elle a dit c'est possible. Et elle m'a sauvé la vie aussi, il faut le savoir, parce que j'étais en train de faire un scorbut. C'est une carence extrême de vitamine C, on en meurt. Donc j'étais en train de mourir en psychiatrie à 8 jours près. Et on en meurt de douleur. Elsa, parce que ça finit par attaquer le cœur. C'est fou qu'elle nous raconte ce soir. Elsa est encore même très 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 émue. Et le Covid long, donc il a duré, il est encore là, c'est ça encore, c'est ça le truc. Voilà, on y vient. On y vient, c'est que donc il y a beaucoup de pathologies qui sommeillaient en moi, qui sont ressorties un peu du jour au lendemain. Donc c'est pour ça qu'on va venir par la suite. Et ça réveille des maladies qu'on a en nous. Et comme je t'avais parlé, Cédric, de la maladie de Lyme qui avait été réveillée. Je suis partie en Allemagne pour pouvoir la traiter car je ne pouvais plus parler, plus du tout parler. J'avais des paralysies de Bell. Enfin, ça réveille un tas de maladies en fait qu'on a en nous, notamment la mononucléose qui a été référée sur des articles. Et en fait, j'ai toujours les anticorps du Covid. Je ne suis pas infectée. Enfin, je suis pas, je peux pas contaminer les gens, mais j'ai encore les anticorps comme quand vous faites le vaccin ou quoi. Enfin, les anticorps sont élevés. J'ai encore les anticorps qui prouvent du coup effectivement que j'ai bien eu le Covid en janvier 2020. Et ça réveille énormément de maladies qui dormaient certainement en nous. Qu'on est certainement peut-être prédisposé, voilà. C'est pas pour rien qu'on voit des myocardites, des diabètes qui augmentent et tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Je sais plus. Je vais faire un tour de table aussi de Maria, tout ce que tu entends là actuellement moi, de me... Elsa, ça Maria. Ça me fait mal au cœur. Franchement, ça me fait mal au cœur. Elle a beaucoup de courage. Je fais partie des chanceuses parce que j'ai pas été touchée par le Covid et franchement c'est lourd en fait et puis le fait qu'elle ait été abandonnée par des médecins quoi, c'est, je sais pas, ils ont pas signé un serment comme quoi ils doivent se battre jusqu'au bout pour leurs patients. Je comprends même pas ces gens-là en fait. Je sais même pas pourquoi ils exercent encore. Maître Joanne. Ouais. Ça va bah, écoute, ça fait. Alors vas-y Elsa et après Maître Joanne. Vas-y Elsa, vas-y. Il faut savoir que le Covid long, donc ça fait quand même plus d'un an qu'on en entend un peu parler entre nous sur les réseaux, on va dire, mais que les médecins sont au courant et qu'ils continuent, certains médecins, à dire que c'est dans la tête parce qu'ils ne sont pas assez informés, alors qu'il y a quand même l'HAS et la Sécurité sociale qui le réfèrent, mais il faut savoir qu'il y a encore des médecins qui passent outre de ça. Il y a beaucoup de gens qui sont abandonnés encore. Vous êtes combien, parce que voilà, les réseaux, combien de personnes qui sont dans le même cas que toi, Elsa? J'ai pas les chiffres approximatifs, parce que le problème, c'est qu'en France, il n'y a pas encore de chiffre qui a été vraiment établi. Mais ça tourne autour, enfin, j'avais vu combien, je ne sais plus, 800 000 800 000, à peu près 800 000, à des stades différents. À des stades différents, il y a... Enfin, quand je dis à des stades différents, c'est malheureux hein, pour les gens. Tout le monde est malade. Mais il y a des cas qui sont plus extrêmes, des cas qui sont... Quand je dis moyens, il faut vraiment pas mal le prendre, ni petit mal le prendre.
Est-ce que, Mais parce à que peu voilà, près. c'était la question qu'on se posait là actuellement. Est-ce qu'on est assez informé sur les conséquences du Covid? Quand moi j'écoute Elsa et quand je vois d'autres témoignages sur les réseaux, non, on n'est pas assez informé sur le Covid. On Non. n'est pas vraiment assez informé. On n'est pas assez informé, donc bah, tu le sais, Cédric, moi j'essaye au maximum sur Instagram, voilà, malgré mes problèmes cognitifs, mes problèmes neurologiques et tout ça, mais on n'en parle absolument pas à la télévision, enfin en reportage ou quoi. J'ai eu la chance il y a 2 semaines, 3 semaines, avec d'autres Covid longs, d'être interviewé, entre guillemets, enfin ça devrait passer au mois d'août. D'août, C'est long, hein, au mois d'août. jusque-là, on n'en parle absolument pas. On n'en parle pas, en fait. Et nous, ça nous bouffe qu'on n'en parle pas parce qu'on essaye de faire de la prévention, tous les gens qui sont Covid long, mais on passe souvent pour des fous, c'est ça qui est dingue. Et puis, des fois, moi, je reçois des messages sur Insta où les gens me disent, je crois que je suis en train de faire un Covid long. En Et tout cas, c'est pas nous, on je crois parce essaiera que, en fait, c'est au toujours. bout d'un mois. Nous, on essaie de Pardon. toujours donner la parole et voilà, vous ne l'avez pas ici, on essaie de la donner et, au maximum en tout cas. Maître Joanne, je vais me retourner contre vous là maintenant parce que est-ce qu'elle peut attaquer les médecins qui n'ont pas voulu s'occuper d'elle? Bah oui, parce que du coup, oui, ton histoire, j'écoutais ton témoignage et en fait, ça fait écho avec des dossiers qui sortent là maintenant, parce que ça va sortir là maintenant en fait. Hein, tout ce qui concerne les conséquences du vaccin, tous les mauvais traitements, le manque de personnel en milieu médical et le fait que des personnes soient restées sur le carreau à cause de ce contexte bien particulier va donner lieu à des contentieux qui vont voir le jour à partir de cette année et de l'année prochaine. Moi j'ai un monsieur qui est venu me voir et voilà, dont le papa est décédé dans un hôpital alors qu'il y avait été pour une simple fracture. Et en raison du Covid, bah, par exemple, voilà, on l'a mis de côté, il n'a pas été traité dans l'urgence, il est mort bêtement, simplement, à cause de ce contexte. Donc voilà, là maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que je pense qu'à l'époque, ni les magistrats, ni les avocats, ni les médecins ne savaient vraiment de quoi ils parlaient, parce que le sujet, effectivement, est arrivé sur la table en 2020. Et maintenant, on est en 2022, on a commencé à faire des recherches, des études, on a eu des résultats, et là, on peut commencer à, effectivement, pointer du doigt les responsables. Et c'est vraiment maintenant qu'on va commencer à avoir des réponses à toutes ces questions. Donc voilà, ça m'étonne pas du tout, mais comme je l'avais dit à l'époque quand on faisait des émissions toutes les semaines sur le Covid et sur le pass, la plupart des scandales sanitaires explosent 15, 20, 25 ans après le début des faits. Si tu regardes le sang contaminé ou le Mediator, ce sont des choses pour lesquelles on a dû attendre 20-30 ans pour avoir des réponses sur le plan juridique, des condamnations, et qu'on puisse identifier les réels responsables. Donc voilà, là c'est encore trop tôt, mais un jour les réponses vont arriver et les responsables seront forcément sanctionnés. Elsa, c'est quoi maintenant ta vie aujourd'hui par rapport à ta maladie? L'enfer. L'enfer, c'est souffrir 24 heures sur 24. Après, par moment, on a des, comme j'appelle, des moments de répit, c'est qu'on passe de 50 symptômes à 30 symptômes. Je suis souvent branchée parce que du coup, bah, j'ai beaucoup de mal à me nourrir parce que sur les examens, c'est ça qui est un peu aussi dur avec ce Covid long, c'est qu'au début, sur les examens, il n'y a pas grand-chose. Et il s'installe minutieusement et il vient détraquer le reste. D'ailleurs, il y a un professeur, enfin, médecin ou professeur, qui a trouvé des choses par rapport au PET scan. Et c'est vrai que maintenant, les Covid longs, c'est un des examens qu'on fait, qui prouve bien que nous ne sommes pas fous et que les troubles cognitifs ou d'autres choses, hein, je suis désolée si j'oublie des choses, qui ressortent. Mais aujourd'hui, c'est l'enfer et je ne suis pas la seule. Et c'est pour ça que je tape du poing parce que, y a eu des suicides. Et il y a même eu des suicides qui sont Et t'as partis en voulu te suicider Allemagne pour aussi, faire des suicides t'as voulu à te suicider aussi. Hein. Heureusement que t'es encore Pardon? avec nous ce soir. Parce que du coup, Merci. moi Oui, j'ai maître Joanne. deux petites questions. Vas-y. Par rapport au vaccin, tu t'es positionné comment? Du coup, t'as fait le choix de te vacciner, de faire une dose, plusieurs doses,
pas de vaccin. Enfin, tu t'es positionné comment par rapport à ça? Parce que toi, t'as été... me prononce pas sur le vaccin. D'accord. Et la deuxième chose, je voulais... une décision et un choix pour pas parce que je ne veux influencer personne. Ok, non, mais parce que du coup, je me demandais moi, en écoutant ton témoignage, si dans les conséquences médicales que tu as évoquées, est-ce que potentiellement, il pouvait aussi y avoir un lien avec vaccin ou pas vaccin. Mais bon, on répond pas à cette question. Et oui. La deuxième chose, alors, du coup, par contre, ça, je veux que bien je comprenne bien pour savoir si je peux te. Ça, vas-y, je veux bien répondre. C'est que je reçois énormément de messages et des gens, même des témoignages hein, sur les réseaux, de personnes qui sont vaccinées, d'accord, qui font leur dose de vaccin et qui attrapent le Covid et qui font un Covid long. Et j'ai aussi des retours de personnes qui font le vaccin et qui se retrouvent ce que j'appelle en Covid long vaccinal, quoi. D'accord, oui. Oui, non, mais parce que ça pourrait être aussi intéressant de voir, mais bon, pareil, il va falloir attendre. Et ta deuxième question ? Et la deuxième question, c'était pour répondre à la question de Z. Toi, pour que moi je puisse te dire si tu peux engager la responsabilité de quelqu'un, c'est quoi ? C'est le corps médical que tu tiens. Pour responsable, il y a eu un défaut d'information, un mauvais traitement, une erreur de diagnostic. Je pense sincèrement que j'étais confrontée à une médecin qui était juste ignoble et qu'il y a eu quand même des échanges de plus de 200 mails avec mon conjoint en lui disant par exemple, parce que le syndrome d'activation mastocytaire, c'est une maladie qui existait avant le Covid. Donc ouais, notamment les maladies de Lyme long, j'ai aussi un syndrome d'Ehlers-Danlos. Dans le syndrome d'Ehlers-Danlos, il y a le syndrome d'activation mastocytaire. Nous l'avons stipulé mot pour mot par mail à cette médecin. Elle avait clairement dit, Elsa n'a pas les signes cliniques, c'est ça ? Elle n'a pas les signes cliniques. Oui, et je donc, suis montée à Paris. Elsa, moi je vais te dire, ce soir, Elsa, tu as beaucoup de messages de soutien sur les réseaux. Et il y a Elo qui dit, Elsa, je pense qu'elle parle de toi, que tu as eu de la maltraitance parce que voilà, comme on ne s'occupait pas d'elle ou quoi, c'est un peu comme ça aussi qu'on voit les choses. En tout cas, mais tu as beaucoup, énormément de soutien. Mettez plein de cœur hein, pour Elsa voilà, sur les réseaux. Comme ça, ça lui fera chaud au cœur quand elle reverra ce live, que les cœurs viennent sur le live. Parce que allez-y sur Facebook, sur Twitch, je ne suis pas, et sur YouTube aussi. Mais faut aider Elsa. C'est quoi ta force aujourd'hui, Elsa? C'est quoi ta force aujourd'hui? C'est quoi ton combat? Ton combat, on l'a compris, mais... ta force pour réussir, justement. C'est quoi et la force pour continuer à vivre? Parce que tu vas me dire, tu voulais te suicider. C'est quoi ta force pour continuer à vivre? Ma force pour continuer à vivre, c'est qu'en fait, on voit que... Enfin, je vois que sur les groupes Covid longs, il y a énormément de soutien et il y a énormément de gens qui sont malades. Et moi, la seule chose qui me fait tenir, et comme je l'ai dit à tout le monde, c'est que quitte à crever, je crèverai pour qu'on soit reconnu. C'est la seule force que j'ai, je crois. Et aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, c'est qu'il y a quand même des traitements qui existent, peut-être pas pour nous soigner, mais je parle en dehors de notre France, même si j'aime ma France à la base, il faut le savoir, c'est qu'il y a des traitements qui existent, et même si c'est des essais cliniques, au moins il y a des essais. Là aujourd'hui, c'est pas méchant, mais on ne propose pas grand-chose à part de la kiné. Moi aujourd'hui, la kiné, j'ai envie de vous dire, je suis devenue allergique à tout. Donc, même à l'environnement, même à un parfum, je sais qu'aujourd'hui, on me regarde parce que je mets encore, par exemple, mon masque à des endroits. Mais oui, mes problèmes, c'est que je réagis au parfum, je me mets à gonfler. Et aussi, ma force, c'est que moi, je suis sur un groupe, surtout une... Je ne sais pas que je veux mettre une association en avant par rapport à une autre, mais il y a une association où je ne suis pas encore adhérente, enfin voilà, mais qui me soutient énormément. J'ai rencontré des gens il y a 2 semaines de cette association et d'un groupe qui s'appelle comment ça s'appelle, bébé ? UPGCS. UPGCS, et ils sont d'un soutien énorme et ils se battent beaucoup pour les malades et ils laissent les malades avoir la parole aussi, de s'exprimer. Et franchement, cette force, je la trouve là. Avec la parole, on peut faire beaucoup de choses. Le gros problème dans cette maladie-là... Oui, vas-y, Seb, vas-y. Le gros problème de cette maladie-là, c'est que tellement que les reconnaissances par la médecine sont faibles,
les malades eux-mêmes sont obligés de se renseigner énormément et de se renseigner entre eux. Et c'est là qu'ils arrivent à voir que, bah oui, il y a des symptômes qui sont les mêmes. Il y a des symptômes qui sont plus forts ou moins forts chez certains des malades, mais la base est toujours la même. Et donc, c'est là qu'on arrive à reconnaître vraiment, ben tiens, c'est le Covid long qui fait tout ça, en fait. Et le problème, c'est que les malades sont obligés de chercher par eux-mêmes les solutions parce qu'ils ne trouvent pas de médecins ou très peu qui sont capables de, bah, de les guider, de les aider, de les soulager, de les traiter. Bon, de les traiter, c'est même pas la question parce que pour l'instant, il n'y a même pas de recherche. En France, on n'a même pas de budget pour la recherche, alors que dans certains pays, les budgets commencent à être assez conséquents. Et ça, c'est malheureux parce que, en fait, si vous voulez, moi, je veux dire, enfin, enfin, par la voix d'Elsa même, c'est que l'État fait croire un petit peu qu'il y a des choses qui sont mises en place pour le Covid long, mais ça reste des choses tellement Elsa, tu trop travailles subtiles aujourd'hui ou pas du tout? comme de la kiné. Pardon? Est-ce que Elsa, tu travailles aujourd'hui ou pas du tout? Est-ce que tu es reconnue Ah comme non, de non. longue maladie? Alors moi, j'ai une ALD, j'ai une affection longue durée parce que du coup, j'ai une immunodéficience primaire et j'ai un SED et un SAMA qui est reconnu. Mais non, je ne travaille plus depuis 2 ans. C'est d'ailleurs le sujet, je crois, que je me mets plus à pleurer. Parce D'accord. qu'avant, je travaillais, j'étais une acharnée du boulot et aujourd'hui, bah non, je tiens à peine debout. Donc là, je tiens un peu plus debout par rapport à avant, grâce à l'Allemagne. Je tiens à dire, parce que j'ai pu partir en Allemagne pour la maladie de Lyme qui a fait baisser un peu la charge. Mais non, je suis. Non. Non. En tout cas, T'as fait des. en tout cas, voilà, parce que on a vraiment, voilà, en tout cas, Elsa, si tu veux revenir et si on n'a pas tout dit, bien sûr, parce qu'on est pris par le temps là, ce soir, Elsa, je te redonnerai la parole. Ou s'il y a d'autres personnes aussi qui veulent témoigner avec grand plaisir aussi et tout ça. Sébastien aussi, merci à toi et je pense aussi te soutient aussi, Sébastien. Merci C'est à ça vous, aussi ta merci à force. vous. C'est ça Je aussi voulais ta vous dire force. merci, en tout cas. Oui, bah D'accord. lui, sans lui, je suis rien, je suis morte, hein. Je vous le dis, hein. Bah alors Et je Sébastien, voulais dire. continue de la garder près de nous, Elsa. Et soyez heureux tous les deux. Je vais En tout vous dire cas. merci, vraiment merci de nous avoir accueillis. Et je voulais juste dire un petit mot à une personne qui m'est vraiment chère, qui est Covid long aussi, c'est Priscilla, parce que sans Priscilla, je serais rien non plus. Un commentaire sur Facebook. Et ben, il y a Priscilla aussi qui est en commentaire sur Facebook. Et si un jour Priscilla veut venir prendre la parole chez moi, qu'elle n'hésite pas aussi, elle peut témoigner aussi, même la semaine prochaine, au cas où, voilà, on peut faire d'autres sujets comme ça. Mais si Priscilla aussi, elle veut prendre la parole la semaine prochaine, avec grand plaisir, parce que ici, vous le savez, c'est une libre antenne, on donne la parole à tout le monde. Et voilà, c'est ça le Zedric Show, bien sûr, on peut parler de tout. Dans quelques minutes, on va parler aussi du gros phénomène là, qui se passe en boîte de nuit avec les jeunes là, qui mettent des piqûres, là, ils font des conneries et tout, on va en parler dans quelques minutes. En tout cas, mais Elsa, je te fais un gros gros bisou et sache que tu as énormément de soutien et je le vois aussi sur ton Instagram et t'inquiète pas, j'essaye aussi de te soutenir comme je peux, parce qu'on a déjà parlé avant que tu viennes dans l'émission et tout, on a beaucoup parlé, toi et moi Elsa, et sache que je ne te lâcherai pas non plus et d'abord ton mec non plus ne te lâchera pas et franchement, bravo à toi d'avoir pris la parole. Merci Elsa en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous Passez une tous. bonne soirée. Merci. Merci. Merci, bonne Bonne soirée à soirée. vous. Merci. Franchement, gros témoignage, comme je l'avais dit dans l'émission de ce soir, énorme témoignage en tout cas. C'est Elsa. Et ben c'est parti pour Allomètre. On a un petit jingle Parfait. pour Allomètre? Un petit marteau. Un petit marteau? On n'a pas de jingle, là, on l'a. Un petit allomètre en tout cas bien sûr allomètre alors soir voilà on va encore plus déprimer là on va c'est le quart d'heure c'est le quart d'heure déprime mais bon voilà sombre. mais bon c'est important Ouais. allomètre piqûre dans les milieux de la nuit qu'est-ce que tu peux nous dire maître Johan sur ces piqûres au milieu de la nuit? Voilà, ben on a commencé à entendre depuis quelques semaines, plusieurs mois, une pratique qui sévit un petit peu partout en France, énormément dans le sud, un petit peu en Belgique, en Allemagne. C'est les piqûres sauvages dans le milieu de la nuit. Voilà, donc c'est important d'en parler là, parce qu'avec les festivals qui commencent à réouvrir, les boîtes de nuit, les gens qui sortent, etc., on a eu beaucoup de retours et beaucoup de signalements de jeunes victimes, hommes et femmes, majoritairement des femmes,
en bas âge, dans le milieu étudiant, etc., des milieux qui sortent énormément, d'une pratique qui consiste à piquer sauvagement donc, dans les boîtes de nuit, dans les bars. Les personnes moi, ça me fait peur, hein, concrètement. Hein. Ouais, c'est flippant, parce que les personnes se sont aperçues qu'elles avaient donc déjà la sensation de piqûre, et ensuite l'hématome, puis le petit point rouge. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il y a le GHB, donc la drogue du viol, mais il y a également tout le reste, donc tout ce qui permet, tout ce qui est un petit peu anesthésiant, qui peut être utilisé à cette fin. Donc il y a la pratique des piqûres sauvages, il y a également tout ce qui est administré, tout ce qui est plongé dans le verre. Hein. Il y a eu énormément d'histoires par rapport à ces choses-là. La difficulté, le problème auquel on est confronté, et les services de police également, c'est que cette drogue du viol disparaît très rapidement du système sanguin. Donc le réflexe à avoir, c'est de très rapidement s'entourer de personnes de confiance, protéger les verres, hein, forcément, de ne pas accepter les verres d'inconnus. Et lorsque l'on sent cette sensation de piqûre dans un milieu nocturne de la nuit, c'est quitter les lieux, et forcément quitter les lieux en étant accompagné de personnes de confiance, puisque le but de cette démarche, le but du prédateur, c'est que vous soyez sous l'effet de cette drogue et qu'il puisse... Donc on sait qu'il y a une drogue dedans. Ah oui, il y a une drogue dedans, et les effets sont assez caractéristiques. Hein. C'est de la somnolence, c'est des sensations de vertige, paralysie partielle du corps humain et amnésie. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la drogue du viol, c'est que c'est taillé sur mesure pour que cela conduise à une agression sexuelle et qu'il n'y ait pas de plainte ni d'enquête, puisque, comme je te le disais tout à l'heure, au bout de 10 heures, il n'y a déjà plus de traces de cette drogue dans ton sang. Donc le réflexe à avoir, c'est de sortir de cet endroit dangereux, menaçant, et d'aller faire un test, un bilan toxicologique très rapidement, pour qu'on puisse avoir au moins cet élément qui permet de déclencher l'enquête et la procédure derrière. Puisque sans... Est-ce que tu le sens que tu es piqué ? Parce qu'il y en a qui disent qu'ils ne sentaient même pas. Ils ont juste dit ça le lendemain, ils ont vu un bleu sur eux, ils se sont demandé ce que ça... Il y en a qui ne le sentent pas, il y en a qui ne sont pas piqués, mais qui ont eu l'administration directement dans le verre. Moi, j'ai une amie, et même une consoeur, une avocate, qui a eu le coup. Et effectivement, elle a eu le bon réflexe de partir très rapidement et de prévenir... Et ça n'arrive que pas qu'aux femmes, hein. Non, c'est arrivé aux hommes. Il y a des cas de victimes hommes, donc les chiffres, parce que j'ai écrit un article récemment là-dessus. C'est 45 cas signalés à Nantes depuis le début de l'année, 15 à Béziers, 40 à Montpellier. Il y a déjà des... Voilà. Et le problème, c'est que la plupart des services policiers sont confrontés... Et c'est pas qu'en boîte de nuit, hein. Non, c'est festival, boîte de nuit, bar... c'est souvent en général dans des endroits où il y a de la foule. Moi j'étais à la Foire de Paris, j'étais à la scène de la Foire de Paris dans le truc, dans le hall antillais et tout ça. Il y avait grave du monde, et j'y pensais. Ah oui, j'ai vu un reportage, et j'y pensais, j'ai dit putain, il y a un mec, en plus j'étais en t-shirt, c'est un mec qui me pique. C'est fou quand même, qu'on est plus conscient, qu'on est plus tranquille quand on est en foule. Ouais. C'est un truc de fou quand même. Non, mais... Ça te fait peur, Marion ? Ouais, et il faut savoir une chose, le GHB, quand c'est administré dans un verre, c'est un goût salé. Donc si vous sentez que votre verre, il a un goût salé, les filles ou les garçons, il faut tout de suite, comme tu dis, s'entourer d'une personne de confiance, sortir des lieux et aller faire un bilan toxicologique. Et ça me fait peur de fou. Ça me fait peur de fou parce qu'en fait, on n'a plus cette notion de pouvoir s'amuser en toute liberté, parce que déjà, il y a eu toute cette histoire de Covid. Et on rajoute à côté de ça les syndromes de la piqûre GHB. Ouais. À l'époque, il y avait aussi les seringues contaminées par les VIH. Ouais, y a ça aussi. Ça a été aussi un phénomène grave. C'est compliqué aujourd'hui de sortir. Alors déjà, c'est compliqué en tant que femme de vivre en paix dans notre société. Si en plus de ça, femmes et hommes, on doit se méfier aussi des piqûres de GHB, je pense que je vais faire toutes les soirées devant Disney Plus chez moi. Ah mais c'est vrai, non mais c'est vrai, parce que tu sors, tu te dis, alors là maintenant, faut que je fasse attention à mon verre. Faut que je fasse attention à comment je m'habille, faut que je fasse attention à mon verre. En fait, on n'a plus cette liberté de s'amuser tranquillement. Il n'y a plus aucun plaisir à sortir et à être dans un phénomène de foule. Donc voilà, c'est beaucoup d'inquiétude. Faites attention, en tout cas. C'est compliqué. Le mec, toi, t'es là, t'as une piqûre. Il y a un gros travail qui est fait sur Instagram avec un hashtag balance ton bar, où on fait le listing des bars dans lesquels il y a eu... Mais c'est pas normal. Non. C'est pas normal, mais bon... Quand le phénomène est présent, là, je voyais Montpellier, il y a eu une explosion. Donc bon, c'est bien que l'information circule aussi. On ne peut pas mettre un système de fouilles, justement, pour voir s'ils n'ont pas des seringues. Si, mais il y a des seringues, la canne. Tu vois le système de fouilles, bon, il est en général assez léger.
Il faudrait limite qu'on soit fouillé comme à l'aéroport ouais, ou dans l'avion. Et, mais bon, du coup. Pourquoi tu te caches? Ça aurait dû. Je crois qu'il fait une vanne de merde. Il a dû faire une vanne, mais je l'ai pas entendu. Mais je vois. Ça peut être si, il y avait des caravanes à Cannes. À Cannes, ça arrive. Faut faire attention au. Ouais. Faut faire attention au Marc. Aussi, ouais. Faut faire attention au Marc. Non, mais non, voilà, mais... après, il y a des réflexes à avoir, donc il y a des numéros hein, à appeler. Ils ont pas Aurel San, mais peut-être dans les figures. Vous êtes des bâtards. Non, mais voilà, il y a des inventions qui sont sorties. J'ai entendu parler d'un rouge à ongles qui permet de détecter le GHB. Il y a une espèce de cap comme ça qui se met sur les verres pour les ouais, protéger. Ouais, il y a des capotes à verre, ouais. Voilà, capotes quoi exactement. Des capotes à verre. Ouais. Des capotes c'est, à verre. C'est des espèces de trucs que tu mets sur ton verre et tu ouais. plantes ta paille et en fait il y a juste l'espace de la paille pour ouais. pouvoir protéger ton verre. Mais pareil, quand tu prends une bouteille, enfin moi je suis sortie très récemment. Des capotes à verre. Oui. Ouais, mais je connaissais pas. C'est deux New Yorkaises quand on fait ça. Ouais, tu vois, je suis sortie très récemment en boîte et en fait effectivement, tu sais, tu prends une bouteille, tu la laisses et tu sais pas ce qui peut se passer. Donc on a quand même les yeux dessus malgré tout, mais. Après, l'effet du GHB est assez rapide, donc voilà, ça te tombe dessus et t'as quand même le temps de réagir et de t'enfuir de cet endroit. Hein. En tout cas, faites attention à vous, que vous soyez en boîte de nuit, que vous soyez, voilà, en tout cas, maintenant, faut se protéger le verre, faut regarder partout s'il n'y a pas un mec qui va vous piquer. Voilà. Faites attention, nanas, en les tout gars, cas. Parce qu'il y a des nanas aussi. Et moi, qui ai des enfants, je peux vous le dire, j'ai peur. Ah, ils sont pas encore filles, en boîte. Ils sont pas maintenant, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu te rends compte, là, ils ont que 2 ans, deux ans et 6 mois, tu vas te rendre compte dans 20 ans. Papa, je vais en boîte. Alors fais attention aux piqûres. Fais attention à ton verre. Fais attention. Tu vois, on ne saura même plus. Ouais. On ne saura même plus. Qu'est-ce qu'ils vont inventer, quoi. Et sur le plan juridique. Fais attention à la fumigène. Elle t'endort. Tu vas te rendre compte d'un coup. Le mec est là, il. Non, mais elle sortira pas, c'est tout, quoi. Elle sortira pas. Mais faut rappeler quand même que juridiquement, le fait d'administrer une substance en vue d'abuser de la faiblesse de cette personne, c'est sanctionné par 5 ans de prison et je Est-ce crois 45 000. Est-ce qu'on a retrouvé un mec qui a fait la piqûre? 75 000 euros d'amende, voilà. Est-ce qu'on a retrouvé un mec qui a déjà fait une piqûre? Oui, il y a des enquêtes en cours qui ont mené, mais bon, c'est les gens qui ont pu être diligents et avoir ce bilan toxicologique, parce que sans preuve, effectivement, il n'y aura pas de condamnation, ni de peine. Très bien. Et ben là, on va aller du côté de Cannes. Côté de Cannes. Est-ce qu'on va danser? Est-ce qu'on va rêver? Mettez d'abord son jingle. C'est le coup de gueule de Marc. C'est parti. C'est Marc qui est là. Bonsoir Marc. Bonsoir. Salut. Comment ça va Marc? Ça va. Ah là là. Marc, ah putain, il a remis des affiches de Mélenchon. Ah ouais, bah là, hey, là il faut changer tout là. Là c'est le Marc socialiste, écologique et tout là. Il est par là. Il y a même l'affiche de Lucien Soudan qui est mince, celle qui se présente à Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale à Cannes. Ah, est-ce que t'as l'affiche de ta bouaf? Par rapport à des expos ou à des sorties dans les Alpes-Maritimes. Ah. Bon, bah, très bien. En tout cas, Marc, t'as les nouvelles affiches. T'es content du rassemblement de la gauche? T'es content? Ouais, j'aime dire que je milite avec eux, que je distribue des tracts et autres. Ouais. Elles ont besoin de toi. Ouais. Colle-les sur les barres. Hein. Attention avec les affiches. Hein. Par contre, fais gaffe aux piqûres. Hein. Fais attention aux affiches. Et mets bien un masque. Ouais. Alors, Marc, ce soir, de quoi tu vas nous parler ce soir? C'est quoi ton coup de cœur? Ou ton coup de gueule? C'est un coup de cœur. J'étais partant pour vous parler vite fait une petite pub. Je veux juste faire une petite pub et après je vous mettrai un son. Bah vas-y, fais ta pub. C'est la pub. Pour Ecosia. En fait, je suis tombé sur Ecosia qui est un serveur comme Google. Grosso modo, à part qu'Ecosia, les bénéfices sont reversés pour faire grandir des arbres, quoi, pour planter des arbres. Et donc, je trouvais ça génial. On peut le mettre soit comme Google ou soit en deuxième recherche et voir se faire un avis avant. Voilà. C'est des bâtards.
Mais je crois que Marie est sensible à l'écologie. En fait, j'ai jamais vu marquer là. Je suis pas sur le plateau, mec. Eh, hey, dès que je parle de toute façon, vous rigolez, je ne vois pas être pris au sérieux. C'est la c'est la faute de la régie. Ils nous font des signes bizarres depuis tout à l'heure, c'est de leur faute, je suis désolé. Mais j'avais déjà entendu ce mot dans le J'avais déjà entendu parler de ce moteur de recherche, effectivement. Et la régie arrêtait de nous faire rire sur le plateau. Ah oui, je vois que les entreprises veulent se rendre écologiques, ça peut être un bon moyen de mettre ça sur ses bureaux. On sait que... Par contre, on t'entend pas bien, Marc. On sait qu'il y a toujours des problèmes de son, des trucs comme ça. Bah oui, voilà tout. Parce qu'en fait, tout à l'heure, un mec bourré qui parle. On t'entend pas bien, Marc. Mais c'est mieux. Ah, on peut me parler. Maintenant, on t'entend bien. Mais non, en fait, je voyais un mec bourré qui parlait. Moi, je suis là, je suis en train de m'écouter. Je passe ta vue, mon. Ah oui, tu t'as écligné là. C'est pour ça qu'elle a rigolé, Maria. Et moi, c'était sérieux, et moi, j'en pouvais plus. Donc, alors, oui, vas-y, le coup de cœur. Dis-nous, donc ton coup de cœur, c'est quoi? Vas-y, dis-nous. D'accord, donc on t'entend. Bon, je voulais faire une petite pub pour Ecosia, qui est un serveur de recherche comme Google, mais. Les bénéfices sont reversés pour planter des arbres dans le monde. C'est écologique en fait, c'est associatif, voilà. Mais si vous voulez danser, si vous voulez danser, j'ai balancé une musique après ça, si vous voulez aussi. Comme ça, j'allonge mon temps de parole. Non mais l'Écossia, franchement, Écossia, c'est un bon débat de démarche. Et franchement, non mais c'est vrai qu'à la base, il y a beaucoup d'entreprises qui vont se mettre à l'écran. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent se mettre à l'écologie, bah, tout simplement, mais que ça sur son serveur, dans ses bureaux, n'importe où, même bah, attends, parce que médiathèques, quoi. Et ça marche ou tu lances une recherche et tu trouves rien? Enfin, ouais, moi j'ai essayé. C'est carré par rapport à Google ou... J'ai essayé, c'est bien. Mais on peut d'abord faire un avis. Donc maintenant, il faut aller sur ecosia.com, c'est comme Google. Ouais, mais c'est écolo. Faut le télécharger. Tu cherches un resto, faut le trouver quand même. Ouais, d'accord. Sinon, bon, je retourne sur Google. Est-ce que sur Écossais, il y a Cédric Chaud? Ouais, 10e page. J'ai pas essayé. Non, mais en tout cas, c'est une bonne démarche. C'est une bonne démarche. Et Marc, en coup de cœur, en musique. C'est quoi? Eh ben voilà, c'est ça que je voulais, moi, depuis tout à l'heure. Alors, je voulais voir si j'avais rêvé. Ah ben voilà, oh là. Alors, c'est quoi? C'est Soudride, c'est Croisette 2000 et c'est pareil, c'est des gens originaires du bassin cannois. Et il y a un rappeur qui vient de Paris et qui maintenant est sur Cannes. Quoi. Et moi je trouve qu'ils sont sous-cotés par rapport à ce qu'ils valent. Franchement, les clips sont top, les musiques sont top, tout, franchement rien n'est laissé de côté. Et je crois que ça vous fait rêver parce qu'on voit beaucoup la Croisette derrière. Ah, et ben. On va débriefer, on écoute, et après on débrief. C'est le coup de cœur de Marc, on écoute maintenant, c'est parti. La carrière béton comme les stalactites. Sur la prod y'a du squat, le sous ride sali avec salakit. J'ai le frigo de figo technique comme les galactiques. La foule à tort, les fans attirent. Le buzz fait que l'argent du bis devient dramatique. 6 le département, trichot très fort dans le dépassement. Sur la prod j'mets des accords, dans les mesures j'fais que des placements. A skip j'ai les dents longues, succès nous guide, j'suis l'identique. Un jour j'serai dans le game, y'a que des bouchons sur rue dans le chip. J'vois la maison dans la calife, cherche la qualité. L'hiver dans la grisaille, j'suis là que l'été. Maison dans la calife, cherche la qualité. Hiver dans la grisaille, je suis là que l'été. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Y'a les cops qui
sonne à la porte. C'est pour le petit frère, ils vont rien trouver dans la porte. À part des platines, dans la cabine fume la sativa. J'suis en plein dans Paris, si j'm'endors, ça cause la indica. Pas le temps de faire carré, maintenant j'collabore avec Adidas. Ton regard a changé, y'a le risque qui grandit, tu me regardes comme un étranger. La douleur c'est dans la tête, hein. C'est pas la peine, noyer sa peine dans un verre. Mais je le fais quand même quand j'suis à 5. J'ai hâte de toi de gratter un texte. De toi. J'mets la prod à fond dans la chop et j'fais avec. Ou sans vous, y'a pas de groupie dans ma fête. Soul Stride, c'est un mode de vie, t'as trouvé que des vrais dans ma sec. Y'a mes riders qui ride en festival tout l'été. Skive les radars, les contrôles de police alcoolisés. Génération, fait l'autorité. Lève ton majeur en l'air, la mentale c'est dans la tête. Le système te laisse dans la merde. Tu fais R avec 1200 euros. Trois jours après, t'as plus rien dans les poches. C'est pas avec ça que tu vas mettre bien tes proches. La vie c'est hoche, dans la chop j'écris, j'enchaîne les projets. J'bousille la prod, les MC sont contents quand j'suis fauché. Ma vie là, le même décor que j'étais à. Même décor que j'étais à. Même décor que j'étais à, ouais. Ma ville a le même décor que j'étais à. Je veux la maison dans la qualif, cherche la qualité. Hiver dans la grisaille, je suis là que l'été. Maison dans la qualif, cherche la qualité. Hiver dans la grisaille, je suis là que l'été. Ah ouais, ouais, ouais. Un soir d'été 93. Au putain si mon V3 kg 7, c'est ce que je pèse. 4 ans plus tard, je me rends compte pour certains ma couleur gêne. Depuis j'ai passé le quart de siècle à toute vitesse, rien qui nous ferait. Je me fais rare comme un Gauguin, faut ma doute, c'est une grosse bande à part pour les gros gars, ils monopolisent le club. Dans la course comme Doris Banok, un Usain Bolt. Bientôt ils vont tous mettre sur thread sans bulletin de vote. Dans la calife, comme Pablo, Picasso, pas Esco. J'suis dans les relations humaines, laisse-moi l'un de tes escortes. Une fois que soir a pété, viens pas nous dire que t'as riposte. Dans l'harmonie des sphères, mais c'est pas pour autant qu'on est potes. Ma vie la même décor que j'étais à. Même décor que j'étais à. Ma vie la même décor que j'étais à. Même décor que j'étais à. Je veux la maison dans la calife, cherche la qualité. Hiver dans la grisaille, je suis là que l'été. Maison dans la calife, cherche la qualité. Hiver dans la grisaille, je suis là que l'été. Ah ouais, ouais. Croisette 2020, c'est ça 2020 2000 la croisette 2000. J'ai retenu. Ils ont bien vu. Ouais. Maria. Non, franchement, c'était cool. Pour une fois, tu vois, regarde, je suis séduite, ça y est. Ah. Je vais revenir à Cannes en vacances. T'as vu la croisette, j'ai vu la croisette, les arbres, jolie villa, la fête foraine. Et ben écoute, on y va. C'était cool. Qu'est-ce que t'en penses, Joanne ? Je suis content que ça fait plaisir. Ouais, non, vraiment bien, très rythmé, le clip est soigné, c'est beau, ça donne envie de partir dans le sud, et voilà, y a un bon flow. Il y a un des deux qui est parisien, c'est ça ? Ouais, il y a un des clips qui est parisien. Ah, mais c'est pour ça que c'est bien. Puis les lunettes de ski, ça revient à la mode. Franchement, ça me donne envie, la fête foraine, le clip est hyper soigné. La fête foraine, c'est pas la fin du trône, hein. D'ailleurs, il y a eu un gros accident, là, apparemment. Bref, c'est pas le sujet. Mais bref, super sympa. Ouais, très cool. Good job. Bravo, Marc, pour une fois, bravo, Marc. Voilà, et un coup de cœur compris. Un coup de cœur compris. Il y a eu quand même quelques coups de cœur, les gens ont aimé. Marc, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Ce week-end, si vraiment je vois le dire, je vais faire la pub à Nouvelle Union Populaire Écologie Sociale. Parce que je vais faire un pique-nique avec eux, c'est au château à Nice, et ça commence à partir de 11h. Voilà ce que je vais faire. D'accord, et au château à Nice, vous pourrez voir Marc tracté pour l'Union populaire. Non, on va manger un pique-nique entre camarades, on va dire.
On va entre camarades. Voilà. Ça va là, avec les verts, tout va bien, avec les... tout le monde va bien, ça y est, on est ensemble, ça y est, on voit que c'est soudé ou il y a encore des petits poils. Moi, avant d'arriver justement aux élections, j'étais au lancement de campagne de l'USA Sudan, justement, la huitième circonscription à Cannes, justement, pour laquelle je milite. Et il y avait le PCF, il y avait le PS. Je sais pas si je crois pas avoir vu les gens, les verts, parce qu'ils n'ont pas pu être là, parce que je pense que c'est quelque chose à faire. Mais sinon, tout le monde est uni, tout le monde se parle. Il y a quand même une certaine fratrie dans l'Union gauche. Ce que nous, on voulait dire, en fait, par rapport à ça, c'est que ce serait bien que ça continue après. C'est sûr. Bah, on espère, en tout cas, on verra ce que ça va faire, en tout cas. Bah, merci, en tout cas, Marc, pour ce coup de cœur. Merci à toi, et bah, je te souhaite une bonne soirée. Reste avec nous, parce que dans quelques minutes, il y aura l'after show. L'after love. L'after love, l'after love avec Maria et Axel qui est en train de la place de Maître Johan, parce que Maître Johan, dès que ça parle de bites et de chat, il s'en va. Il plante pas sa bite. Un peu plus que toi, mais... Moi, avec la même personne, toi avec plusieurs. Ah non. Merci Maître Johan d'avoir été avec nous. Merci à toi, merci à vous. Merci, franchement, ça fait plaisir. Maria, tout de suite. À tout de suite. Pour l'after show. Qui m'envoie des messages à cette heure-ci, dis donc. Ta femme. Qui m'envoie des messages. Pas moi. Ah non, c'est des gens qui publient sur les réseaux. Bah voilà. Merde. J'avais pas vu le message de Stéphane Larue. Putain, je viens de le voir. Ouais, je vais venir, mais comment. Redonne-moi l'adresse que tu me ramènes. Bah. Tu veux toujours venir, Stéphane, parce que j'avais pas vu ton message. Pardon, je ne l'avais pas vu. Là, envoie-lui l'adresse. Bon, bah voilà, mais les 20. Oh, quoi que. L'after show, ça peut faire du bien de Stéphane. Allez, hop. Putain, j'avais même pas vu Stéphane. Why ? J'ai même pas vu, tu vois, j'ai même pas vu du tout. Alors, hop. Le 16 Paris 20. Est-ce que Stéphane va venir pour l'after show ? L'after love. Je vais te le greffer en gros sur son bureau. L'after love. Et ben voilà, l'after love qui va commencer dans moins de 5 minutes avec Axel dans quelques secondes et Maria. Et peut-être, je dis bien peut-être, un Stéphane Larue qui va arriver avant minuit. En tout cas, on est là jusqu'à minuit, on est en direct sur MyVox TV. Et toi, tu vas aller à la Tour Eiffel après ? Je fais ce que je veux. C'est vrai. Oui, je vais aller voir la Tour Eiffel. C'est vrai. Ah ouais, la Tour Eiffel. Bon, en tout cas. Toute seule en amoureuse avec moi-même. Eh ouais, bah tranquille. Tranquille. Et tu vas faire quoi, là, votre journée avant de finir ? Je vais prendre une petite douche, laver ma Tour Eiffel. Très bien. Et un bon week-end ? Bon week-end à Paris. Tranquille. Calme, ouais. Et bah, tranquille. Voilà. Et bah, bon week-end à vous. Et pour ceux qui restent là pour l'After Love, et bah, à tout de suite sur MyVox TV. Merci, bonne soirée pour le Cédric Show. Vendredi prochain, Cédric Show. Et là, tout de suite, After Love. Merci, bonne soirée, à tout de suite.